Point. Millions de Naira. Prends ce chèque, bordel! Avec tout le respect, mon prince. Emmène ton argent en enfer et meurs. Comment est-ce que tu peux être si têtu, incompréhensible? Adama, tu es égoïste. Tu as l'air de quelqu'un de gentil. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Ichie, tu n'as aucun droit de pouvoir venir dans ma propre maison pour m'insulter. Je peux être une femme. Quand je suis dans mes droits, que je maîtrise parfaitement. Mon argent. Pourquoi? $50 million. Comme je l'avais dit, mon prince. Va en enfer avec ton chèque. Je n'en veux pas. Je vois qu'il n'y a absolument rien que je ne puisse faire pour essayer de te convaincre. Parce qu'apparemment dans ta tête, tu es encore une enfant. Idjema, tu perds notre temps. Tu agis comme une petite enfant. Tu as rien du tout. Absolument rien du tout dans cette place qui a ton nom. Nous te laissons vivre ici juste par pitié. Parce que tu es leur seul enfant. Tu dois juste te marier. Et après ça, ça sera fini. Parce que tout ce que ton père possède ira dans cette communauté. Alors, pourquoi tu ne veux pas accepter ce qu'on te l'offre? Prends ces papiers-là. Maintenant, laisse-moi utiliser le mot plus simple pour que tu comprennes. Je ne donnerai jamais ces papiers à aucun d'entre vous. Je préfère le garder moi-même. Jusqu'à ce que je mourrai. Idjema, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. La seule raison que chaque homme préfère une fille comme enfant, c'est pour qu'elle prenne soin de la maison, pour aider sa femme à préparer, à laver les habits, à faire les tâches ménagères. C'est tout. Oui. Et au fil du temps, la fille va apporter l'argent que l'homme aura donné
afin qu'elle soit sa femme pour toujours. C'est tout. C'est tout ce que tu as. Et c'est tout ce que tu en auras toujours. Pourquoi pas, Ichi? Merci infiniment. La seule chose pour laquelle tu dois me contacter, c'est me donner ce que je veux. Donne-nous les papiers. Je dis que je n'en veux pas. Je ne tolérerai pas ce genre de choses. Je ne quitterai jamais cette terre, pas même pour 1 billion de naira. Ne vous y trompez pas. Je pense qu'il est temps pour toi de partir. Maintenant, sors de ma maison. Comment as-tu... C'est seulement un homme stupide de voir un aveugle et penser qu'il ou elle est stupide. Nous pouvons être aveugles, mais nous sommes parmi ces personnes dans le monde qui ont une grande sensibilité sur ce qui se trouve autour de nous. Nous pouvons être incapables de vous voir, mais nous sentons le moindre de pas avant même que vous ne le posiez. J'ai compris ton intention avant même que cela ne sorte de ta bouche. Je ne cesserai pas de me rappeler de tout le pas que tu fais. Je veux que tu comprennes cela. Juste pour que tu saches, je vais faire ma sieste. Amène ton misérable corps hors de ma résidence. Et lorsque tu sortiras, n'oublie surtout pas de fermer ma porte. Itima, tu ne peux pas m'insulter de la sorte. Toi, tu penses que je ne vais pas quitter ta maison? Hein? Je vais en finir avec toi. Attends, j'arrive, je vais... Toi, je vais en finir avec toi. C'est moi que tu traites comme ça, hein? Un vieil homme. Et je suis tombé ici à cause de toi. Attends, tu vas voir. Izego, donc tu veux vraiment nous faire croire qu'une aveugle que tu n'as pas arrivé à convaincre, tu es trop bête, trop bête, ça fait de toi un menteur. Tu peux m'appeler comme tu veux, mais tout ce que tu as fait comme mécanisme, ça n'a pas marché du tout. Tu es juste jaloux, oui. Tu es juste jaloux parce que les rois m'ont choisi. Moi, Onowu, que toi. Toi, tu penses que tu peux m'insulter, moi. Regarde-toi. Peu importe. Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis le Onowu de ce royaume. Et tu dois me respecter comme tel. Votre Majesté. Cet homme est en train de minimiser mon autorité et je veux que vous le chassiez immédiatement. Oui, il faut qu'il parte. Votre Majesté, vous n'avez encore rien dit. Il n'a rien dit parce que tu es Onowu de Kumweke. Parce que je reste l'un des plus grands hommes de ce royaume. Alors ferme-la. Ferme ta bouche. Tu es malade. Tu es stupide. Quoi? Zélo, votre Majesté, ça suffit. N'avez-vous pas entendu? Il faut que quelqu'un... Ça suffit. Assis-toi. Zélo. Je veux que tu comprennes. Je ne suis pas en train de te diminuer. Je t'ai demandé de t'asseoir parce que nous avons un sujet très délicat à discuter. Et si tu continues à te tenir debout et parler, tu n'apprendras qu'à toi-même. Je dois dire quelque chose. Il a pris l'audace de venir ici
est intimidée. Mansé, ne parle pas comme si tu ne connais pas la raison pour laquelle tout ceci est arrivé. Je continuerai à le dire, redire et le redire encore. Ijima doit rester ici. Je te demande pardon? Oui, tu m'as entendu. Elle doit juste laisser cette terre parce que ça lui porte trop de problèmes. Et même si elle pourrait être loin de cette terre, elle est de cette communauté. Et puis c'est son royaume. Honte à toi, pour une femme qui tombe enceinte d'un pauvre garçon. Tu es vraiment gracieuse. Comment peux-tu avoir ce genre de mentalité? Quel espoir donnes-tu aux jeunes gens qui sont dehors? Quel genre de personne gracieuse peut avoir ce genre de mentalité? Nancy, arrête de rêver et de ne pas bien réfléchir. Depuis les jours où on s'était rencontrés, depuis on est devenu comme ça. Alors, peu importe ce que tu diras ou tu feras, rien ne changera. Les femmes ne peuvent pas partager le même droit que les hommes. Oui, Ujima, nous sommes des femmes. Et laisser l'endroit que tu as le droit de diriger toutes choses, c'est dans la maison de ton mari. Tu veux rentrer dans la maison de ton père? Bien, tu peux toutefois être bien accueilli chez tes parents. Cela ne veut pas dire que cette maison t'appartient. Réfléchissons un peu sur ça. Et si le roi n'a pas une terre à nous donner, qu'est-ce qu'on fera? Je ferai de sa vie misérable. Je vais utiliser toute mon autorité pour rendre sa vie misérable. Je ferai un usage excessif de mon bâton d'autorité. Et quand je finirai avec elle, elle va signer tous ses documents avant que je le lui demande. C'est ça. Si tu penses vraiment que le roi prendra les décisions tout seul, ce n'est pas trop logique. Et que veux-tu dire? Ce roi, c'est un roi très méchant. Nous parlons d'un roi qui a vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc, tu crois que Ujima pourrait accepter cet argent? Ah. Si tu cherches l'argent et la classe, alors cherche ça toi-même, s'il te plaît. Ujima, tu l'entends parler, hein? Pourquoi il est en train de m'injurier? C'est quoi la signification de tout ça? Eh bien, Asi ne t'a insulté juste pour ce qu'elle a dit. Tu es cependant la seule qui est hors du sujet. Je sens que tu as trop à dire. Écoute, Amaka, si le roi pense qu'il peut utiliser sa force essentiellement pour prendre Ijima pour lui, dis-lui qu'il est vraiment fou. Alors, on viendra lui éclaircir avec une seule chose pour lui dire qu'on ne joue pas avec lui. Tu peux la fermer? L'homme qui est prêt à avoir 50 millions de naira juste pour aider les gens. Et tu restes là en disant que c'est l'injustice. Ijima, c'est notre ami. Dis-lui la vérité. Ma fille, tu es la seule qui doit se taire. Mon roi, rappelez-vous la bataille de ce village. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous avez tout fait, y compris votre autorité, juste pour faire résonner cette fille, pour qu'elle vous donne cette parcelle, mais elle refuse. Vous avez planifié d'utiliser le gouvernement pour prendre cette parcelle, mais vous avez arrêté. Connaissez-vous ce que ça engendrait? Ogwefi, Ogwefi, j'ai besoin de comprendre là où tu veux en venir, au juste. Tu es en train de me dire que je n'ai pas suffisamment utilisé mon pouvoir comme un roi. Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Mais je sais que vous avez essayé la même chose dans le passé. Vous vous rappelez ce qui était arrivé? Je m'humilie moi-même devant la statue d'Omuete, au sanctuaire du déité du peuple d'Omuete. J'ai déjà placé une vache dans la parcelle du grand prêtre de Omuete. Cette vache est un présent pour toi.
Je t'apporte cette vache parce que je suis troublée. Avant que mon père ne décède, il m'avait légué un terrain. Un terrain qu'il me disait être lié à ma destinée. Et maintenant, ce terrain est en train d'attirer le regard des hommes avec que je suis. Ils veulent me l'arracher. Mais je n'ai pas envie de vendre cette terre. Je suis disposée à attendre de voir cette destinée dont mon père me parlait. S'il vous plaît, surgis dans ton honneur et sauve-moi. Sauve et protège-moi. Je ne désire pas vendre ce terrain. Dieu de mon défunt père, surgis et protège la terre de mes ancêtres. Fais-le pour moi et je t'apporterai une autre vache. Maintenant, comment une aveugle peut être capable de faire un chemin entre les morts, de parler à la divinité? C'est ce que je n'ai jamais été capable de comprendre. Tout ce que je voulais vous rappeler est que personne ne peut utiliser la force pour essayer de récupérer cette terre. Izema, en tant que femme, n'a pas droit à cette terre. Et je suis le seul survivant dans la famille d'Obiede. Elle doit se marier. C'est alors que l'héritage de cette terre me sera transmis, le roi de ce royaume. Est-ce que tu me comprends? Votre Majesté, vous avez oublié que compte tenu de nos ancêtres, la femme a raison. Les hommes voudront l'épouser pour hériter cette terre. Ouguefuizoudou, est-ce que tu peux arrêter de parler de n'importe quoi? Il serait très important que tu parles à l'homme qui t'a donné la possibilité de t'asseoir parmi les sages. La femme, c'est la mère de l'homme. Et le seul fou est parmi nous. Regarde-toi, c'est à moi que tu parles de cette manière-là. Nous devons parler de l'aveugle qui s'est entêté devant les paroles du roi. Rectification, elle s'est tenue devant personne. Encore moins se battre pour son héritage. Mon roi, je suis en train de vous supplier d'utiliser votre autorité pour la faire changer d'avis. S'il vous plaît, toutes sortes d'efforts. J'ai hâte de le voir. Oui, c'est un bon plan. Mais je vais le faire de ma manière. C'est ce que tu penses? Que ce n'est pas vrai? Bien sûr que oui. Tu es à côté. Donc, tu ne connais pas l'histoire d'Adeni? Et qui est Adeni? Avant de conclure que la femme n'a pas droit à l'héritage de son père, je dois vous parler de l'histoire d'Adeni. Et c'est qui cette Adeni? La femme d'Oumulti. Elle était la seule fille de Pafoudibia. Le père d'Adeni a fait tout ce qu'il voulait pour avoir 3 enfants. Et inclure quoi? Prendre 3 belles femmes. Aucune des s'est reconsidérée. Finalement, sa femme a conçu un fils. Le fils que Lady Bia a présenté au coucou de sa région en tant que son fils. Et au coucou accepte cet enfant. C'est à partir de là que cet enfant deviendra Izonozo de Kumwelte. Adeni ne s'est jamais mariée. En fait, juste après la mort de son père, elle est rentrée chez son père vivre avec ses enfants. Avec toute humilité, bien que cela, la femme de son père l'a respectée à nouveau dans la famille. Elle est morte à un âge plus avancé. Après avoir rencontré ce petit-fils elle-même, tu sais, après toutes ces années, aucune personne n'a pu l'intimider. Bien joué, Wefe, mon ami. C'était une bonne histoire. L'histoire n'est pas encore finie.
Et cet enfant est devenu le préféré d'Umweke. C'est du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Je connais bien cette histoire. En fait, je sais que cet enfant est devenu le préféré des royaumes d'Umweke. Mais cela ne va rien changer parce que je veux cette terre. Parce que c'est la seule terre qui soit disponible et la seule terre qui soit cultivable dans tous les royaumes d'Umweke. Oui, et je vais l'utiliser pour la vision du membre de ma famille. C'est ça le problème. Pardonne-moi, Votre Majesté, pour ce que je vais dire. La terre n'est pas vide, encore moins abandonnée. Elle appartient à quelqu'un. Et si le propriétaire ne veut pas du tout la donner à quiconque, il n'y a rien que vous ou d'autres personnes ne puissent faire à propos de ça. Ogwefi, pourquoi tu cherches toujours une manière de me contredire, hein? Tu vois, les rois commencent à comprendre ton jeu. Tu es toujours là en train de les contredire. Tu les contredis à tout moment. Et si tu veux me demander, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Pourquoi tu fais semblant comme l'ami du roi? Tu es en train de manipuler les rois. Personne ne me manipule. Oh, parce que je ne suis pas ce genre de roi que tout le monde manipule. Pourquoi tu as du mal à croire ce que je dis? Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Pourquoi? Mon roi, arrête de m'appeler comme ça. Pourquoi c'est seulement quand j'ai des problèmes et tu es contre moi? Pourquoi c'est seulement quand je suis en train de chercher une réponse? Tu fais tout de ton pouvoir pour me contredire. Pourquoi tu es comme ça? Non, Votre Majesté. Vous avez juste interprété ça de votre manière. Je t'invite en tant qu'ami à être confident. Parce que je veux une solution à mes problèmes. Et tout ce que tu veux, c'est appuyer mes ennemis. Oh, ça prouve combien tu es hypocrite. Regarde-toi, Mina, ce que tu fais. Cette femme n'est pas votre ennemie. Je sais de quoi je parle. Pour une fois, je crois que nous aurions la même idée. Maintenant, quitte dans mon palais. Quoi? J'ai dit lève-toi et quitte dans mon palais. Tu m'as bien entendu. S'il vous plaît, Votre Majesté. Non, mais regardez-moi celui là-haut. C'est que... tu ne comprends pas ce qu'il dit, ou bien tu n'as pas envie d'entendre. Il est en train de dire dans mon palais maintenant, avant que je te fasse par force. Mais quitte de là. On dit quitte, il faut quitter, quitte. Et qui vas-y? Mais pars. Va-t'en d'ici. Ah. Voilà les gens comme ça. Ils sont contre l'évolution du royaume. Et... Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends vraiment rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a à propos de cette petite partie de la terre? Cela pousse mon homme à être trop pris à cet âge. Et c'est parce que cette portion de terre est une terre vierge? N'est-il pas d'autres terres vierges dans d'autres communautés? Je ne comprends pas cela. Et le début. Même si tu n'arrives pas à me parler, s'il te plaît, essaie de manger quelque chose. Il le début. Il le début.
Il leur dit, ben, ne sors pas. Il leur dit, ben, tu ne m'as pas dit quelque chose. Il leur dit, ben. Je n'arrive pas à y croire. Je ne sais pas pourquoi mon homme est trop excité par cette terre. Il est à mesure de perdre la mémoire à cause de cette petite terre. Elodie B. Monsieur James. Oui, monsieur. Comment est-ce que je peux servir cette dame? La dame qui fait des affaires. Hein? En fait, la dame dont j'étais venu te contacter, vous voyez, tu sais que son père a joué un très grand rôle dans cette entreprise. Et tout le monde l'a payé. Est-ce que tu connais là où il prenait l'argent? Non, il prenait l'argent sur cette dame. Si quelqu'un arrête, elle arrête les finances immédiatement. Voilà, nous aurons des problèmes. Donne-lui ce qu'elle veut. Elle ne veut pas beaucoup de choses, si ce n'est qu'une somme d'argent dans son compte pour chapeauter la réunion qu'il est en train d'entretenir. Monsieur James, cette femme, c'est une millionnaire. En fait, si je ne fais pas d'elle ma femme et si elle n'était pas aveugle, j'allais l'épouser. Je suis désolé, Manika. Je pense que j'ai une mission ici. Êtes-vous en train de dire qu'elle n'est pas une employée dans cette compagnie, mais plutôt une partenaire d'affaires? Iziena OBC n'est pas qu'une simple partenaire ici. Elle est celle qui a fait de nous ce que nous sommes. Manika, vous savez combien de fois je travaille pour ce service? Je n'ai jamais pensé que notre compensation pourrait aller jusqu'à cette direction. Parce que je me suffis de ce que j'ai. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Manija, oublie la femme aveugle. Elle est tellement jolie. Et je voulais te demander si tu pouvais aller là-bas avec moi. Nous sommes officiellement des mêmes personnes. Pourquoi tu me poses cette question? Hein? Marija, j'avais appris qu'elle est comme ta sœur. Et je pense que tu la connais mieux. Considérant ce que j'ai appris, on a dit qu'elle a une réputation un peu compliquée. Oui, tu as raison. Elle est comme une sœur pour moi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça pourrait marcher entre elle et moi? Tu sais, je ne l'ai jamais abordé pour une telle discussion. Mon cher, j'aimerais vraiment que tu m'aides. Assiste-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas le pourquoi tu t'es approché de moi comme ça. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Votre Majesté, je suis vraiment époustouflé, enchanté. Par cette honorable et royale invitation, monsieur, votre Altesse, rectification, sale ivrogne. Votre Majesté, pas votre Altesse, c'est un roi et pas un prince, es-tu normal? Es-tu stupide? Qui penses-tu être? Qui es-tu? Qui penses-tu être pour élever ton ton et essayer de corriger ma phrase? Mais vocabulaire que je prononce, es-tu stupide? Sais-tu combien je suis intelligent? Sais-tu combien éduqué? Informé et à jour que je suis, hein? Si tu veux dire cette stupidité, ferme-la parce que tu as de l'acide dans ta bouche. Je sais très bien qui tu es et je sais bien où tu as été éduqué. Voilà pourquoi je sais très bien que rien de bon ne sortira jamais de ta bouche. Sale illettré, je n'accepterai pas ça toi. Moi, Yolu Gwenjum au premier, le seul et l'unique gradué du grand, peut-être même le plus grand université de Umweke en technique, n'essaie même pas de me rabaisser avec mon titre honorifique. N'ose plus jamais refaire ça, que ce soit la dernière fois, ok? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, des fois, tu mélanges le langage de la télé avec le vrai langage. Et tu crois que ça a l'air d'une grammaire. Moi, Baristan Okonu Kabongo, le seul et l'unique proviseur de l'université de Cambridge. Je le dirai encore, et je le dirai encore, et encore. Tu n'es rien d'autre à part un illettré. Arrête de faire du bruit, toi, simple melon. Sais-tu à quel point je suis formé? À quel point je suis valable? Sais-tu ça? Ne me provoque pas. Écoute, je vais en finir avec toi. Tu n'es rien d'autre à part un tonneau vide qui parle. N'ose pas, mais très bien, ça suffit.
ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, votre majesté. Tout va bien. Car sinon, je vais m'assurer personnellement à ce que quelqu'un ici aille en prison. Et je vais ramener personnellement Ifo Mao au niveau de comprendre que qu'un cœur vierge d'une fille a été brisé. Tu dis absolument n'importe quoi. Votre majesté. Tu es un illettré. Ne me provoque pas. Es-tu sûr de ce qu'ils disent? Votre majesté, je vais d'abord les présenter. Okuno Kabondo. Et moi, Baristan, le grand homme à femme. Premier, le plus sexy. Votre majesté. Illettré. Ichi, es-tu sûr de ce qu'ils disent? Tu es en train de sortir? Oui, bien sûr. Ok. Si tu ne me dis pas là où tu pars, au moins, dis-moi d'où tu viens. Devrais-je faire le dîner? Ça ne sera pas nécessaire. Mais... Il n'y a pas de mais. Je te verrai à mon retour. Mais bébé, j'ai... C'est à toi que je m'adresse. Qu'est-ce que tu veux exactement? Hein? Pourquoi es-tu si têtu à propos de cette terre? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te connecte à cette terre? Ma famille t'a offert 50 millions de Negra. Mais tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, donne-moi ce putain de prix. Que veux-tu au juste que la famille royale puisse t'offrir en échange de cette terre? Tu veux vraiment le savoir? Oui, je veux le savoir. Je veux que le fils du roi Anicheza, de me laisser tranquille. C'est exactement ce que je veux. Te laisser tranquille? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible pour nous te laisser tranquille? Peut-être. Il y aura finalement un moment... Quand le dieu de mes ancêtres fera en sorte que cela arrive, que je n'ai pas d'autre choix que d'éléguer la terre à la famille royale sans réfléchir deux fois. Je serai très contente de faire cela. Mais tant que ce n'est pas le cas... Ce que je désire ardemment est que tu quittes ma maison et n'aies plus revenir encore. C'est tellement magnifique. Tu es trop têtu. Université de Cambridge, tu as dit, n'est-ce pas? Exact, Majesté. Votre Majesté, il ment. Comme je le disais, votre grandeur majestueuse. Avant que je ne sois interrompu par cet inférieur à mes côtés. Un être sans espoir. Votre majesté, si vous me permettez de continuer, je vous dirai que si vous continuez d'utiliser votre meilleur et précieux temps de questionner notre authenticité et audace en tant que des connaisseurs, des pratiquants légaux, je vous dirai, votre majesté, que vous ne connaissez pas l'accumulation, la valeur de vos problèmes. Oui, votre majesté. Je vais humblement dire que... c'est la première fois qu'il puisse être raisonnable. Depuis que je le connais. Il a raison. Exact. Votre majesté.
prenez la meilleure partie du scénario de votre cas. Vous avez réussi à établir votre connexion, influence, autorité et dominance pour oppresser une innocente, aveugle et très belle fille de notre royaume. Mais je suis là pour porter un jugement avec mon esprit très critique. Que la grande divinité de Umuite pourrait automatiquement mettre fin à votre vie avant que vous ne réussissiez, avec une très grande forme de ventre. Votre Majesté, la pire partie du scénario, si finalement vous trouvez un moyen de tuer la fille et de collecter ce qui lui appartient, incluant le terrain, le peuple de Umuite commencera à vous pointer du doigt. Mais avant que le peuple ne vous court après, les dieux de nos ancêtres vont vous frapper avec la folie. Et c'est pas alors, Popo. Ou bien alors, premier ou deuxième scénario, vous mourrez avec un très grand ventre. Oui, c'est vrai. Ok, ça suffit. C'est pas le temps des démonstrations encore. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de solution au problème du roi. Suggestion d'un grand connaisseur. Je vous dirais que nous avons apporté la solution au problème du roi. Mais cela sera seulement si le roi accepte en jouant le jeu, le même jeu que nous. Et cela en acceptant seulement nos petites règles et conditions. Comment est-ce que ça peut être possible? Avec la profondeur de ce cas, Votre Majesté, je n'arrive pas à croire que nous avons été dans le palais du roi pendant une heure ou je ne sais pas, peut-être plus. Et on ne nous a pas offert quelque chose qui soit au moins dans la catégorie d'une noix de cola. Vous savez, nous aimons bien cela. Et je vais même descendre plus en bas pour aller jusqu'à demander un simple produit. Simple eau qui n'a jamais été présenté à, je dirais jamais présenté à ces deux ambassadeurs, deux grands hommes que nous sommes. Votre Majesté. Votre Majesté, un très grand homme de ma classe. Un pratiquant légal. Par profession. Un proviseur. De l'université de Cambridge. Votre Majesté. Ceci est une insulte. Rabais. Une subordination, une méconduite envers moi. Oh mon Dieu. Votre Majesté. Je prendrai cela comme une maltraitance. Vous tenant devant deux grands hommes, deux hommes qui sont là pour résoudre vos problèmes. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de servant dans ce palais de haute classe et élevé. J'ai été voir la reine d'Angleterre ou peu importe. En arrivant là-bas, vous verrez un tas d'arachides. Là, arachides, garde, servante, j'en ai pas vu un seul. Votre Majesté, je me sens tellement bafoué. Non, je n'arrive pas à y croire. Votre Majesté, je me sens vraiment maltraité, comme une crapule. Ces servantes sont aveugles. Vous voyez, Votre Majesté, je crois que vous vous inquiétez de ces hommes. Ils ont l'air sérieux. Ce sont des gens très loyal, c'est ça, c'est la vérité. Assistant à Cambridge, Votre Majesté, ne prends pas toujours tout ce qui vient dans leur bouche. Parfois, ils parlent de n'importe quoi. Ne te dérange pas. De si important que j'ai trouvé dans ces hommes-là. Mais regarde-le, Majesté. Il y a certaines histoires. Écoutez. Vous ne pouvez pas juger le livre par sa couverture, mais plutôt le contenu. C'est là où on dira les bonnes choses. J'espère juste que tu as raison. J'ai décidé de te croire parce que la vérité, Odofi et d'autres anciens ne pouvaient pas dire. Tu es le seul homme qui est en train de me dire la vérité. Et je serai toujours là pour toi, mon roi. Vous allez l'affronter. C'est ça même. C'est ça. Vous voyez cette bataille? Vous allez la gagner. Gagner encore. C'est ça même. Votre Majesté, laissez-moi oublier. Le palais.
Je suis surpris qu'on ait laissé entre eux. Je leur ai ordonné de faire cela. Merci d'être venu. Elodie Goué, tu es juste différent de ton père. Obuefi, je comprends que mon père a un problème avec vous. Mais j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Quelqu'un à qui je pourrais me confier. Et j'ai cherché éperdument. Mais il n'y avait pas un meilleur choix que vous. J'apprécie beaucoup. Mais je dois te dire la vérité. Qu'y a-t-il à propos de cette fille? Quelle est son histoire? Pourquoi est-ce si difficile pour elle de nous donner ce terrain? Et pourquoi n'a-t-il pas une autre personne pour nous autoriser à la voir? D'après ma connaissance, elle est l'unique dans sa famille. Et maintenant qu'elle a refusé de nous la vendre, qu'allons-nous faire au juste? Je vais te dire quelque chose, mais j'en doute que tu apprécies. Je vous demande de bien me regarder, Obuefi. Ai-je l'air de quelqu'un de jovial? Vous semblez ne pas comprendre à quel point je suis désespéré, n'est-ce pas? Hello Dubé, toi et ton père devraient oublier cette terre. Je vous demande pardon. Tu m'as bien entendu. Cette femme aveugle, elle est juste une orpheline qui est capable de tout faire pour qu'elle garde cet héritage. Hormis le fait qu'elle soit aveugle, elle a clairement démontré à plusieurs reprises qu'elle n'a pas du tout envie de vendre cette terre. Pourquoi toi et ton père, vous ne voulez pas la laisser tranquille? Voilà exactement où se trouve le problème. Nous voulons cette terre. Comment sommes-nous supposés la laisser tranquille? Vous ne devez pas oublier qu'il n'y a aucun problème sans la solution. Elle est tellement liée à cette terre particulièrement. C'est le temps pour vous de trouver une autre terre. Je veux dire, ce n'est pas la seule terre vierge dans le monde. Ilodigoye, toi et ton père devrez la laisser tranquille. Salut, mon joyau de valeur inestimable. Le symbole même de la beauté, la perfection de l'excellence. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui est sur le point de devenir très spécial pour toi. Je suis également un coopérateur, un médiateur, un négociateur de la chambre haute. Cela ne répond pas du tout à ma question. J'ai demandé, qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi es-tu ici? Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par abandonner les projets? Exactement ce que je veux dire. Exact. J'abandonne maintenant. Nous savons très bien tous les deux qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour que cette fille nous donne ses terres. Alors que pouvons-nous faire d'autre? La tuer? Non. Personne ne va la tuer. J'ai une idée. Je dois la voir aujourd'hui. Je crois qu'on arrivera à un bon compromis. Oui, si nous en parlons. J'ai déjà fait quelque chose de pareil. Baristan, le grand homme à femme, le médiateur de la chambre haute, un grand magistrat de son temps. Je suis à votre service, ma reine. Non, vous vous êtes trompé d'endroit. Je n'ai jamais sollicité le service d'un avocat.
Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Ma reine, je ne vous blâme pas parce que... Parce que vous êtes incapable. Vous êtes dépourvu. Si seulement vous pouviez voir à quel point j'étais sexy et si beau et classique en tant qu'un homme qui se tient devant vous, vous en baverez sans hésiter et aurez demandé bien plus que cela. Donc père, quand tu dis que tu as un plan, que veux-tu dire exactement? J'ai engagé les services d'un avocat. Il a suggéré que nous puissions le laisser aller voir la pauvre fille aveugle et négocier avec elle. Qu'est-ce qui est amusant? Honnêtement, père, vous me faites rire. Nous avons appliqué la force sur cette fille juste pour qu'elle nous lègue ses terres. Ça n'a pas marché. Et secondement, menace de mort, cela a aussi échoué. Et là, nous avons engagé ou demandé de l'aide de faiseurs de loi, du gouvernement fédéral, des autorités. Et là, elle a ramené le cas de vous jusqu'aux mains divines, le sanctuaire divin de Umuité. Comme si cela n'était pas assez. Et finalement, je m'étais décidé d'aller chez elle pour lui offrir de l'argent. Et j'étais le véritable fou de moi-même. Et maintenant, vous pensez que une simple négociation fera en sorte que cette fille change d'avis? Oh, cher père, vous avez vraiment, vraiment perdu la tête. Mon fils, tu n'as rien à t'inquiéter. Je sais ce que je suis en train de faire. J'ai la ferme assurance que ça va marcher parce que cette négociation sera dirigée par des bons avocats, les professionnels dans leurs actes. Je sais qu'ils auront une grande discussion. Crois-moi. Je sais ce que j'ai dit. Et que va-t-il arriver si ce plan échoue comme d'habitude? Ça ne va pas arriver. En fait, je crois vraiment que ça va marcher. Cette femme aveugle n'aura pas le choix que de nous vendre cette terre. C'est ce qui va arriver. Crois-moi. N'ose même pas te rapprocher de moi. Relax, ma princesse. Relax. Je ne suis pas venu ici pour faire ce qu'on appelle un raccourci. Je suis là pour appliquer la procédure normale, pour demander quelque chose à une très magnifique reine. Je veux une faveur de vous. Mais avant la demande, j'aimerais bien aller à un niveau très supérieur, là où les esprits se rencontrent. Par ici. Hey, enlève tes mains. Comment oses-tu? Ne t'approche pas de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la brutalisation en jugement. Aïe. Ma reine, ma princesse, je ne serai pas si brutal. Relaxez. Hey. Je dis, ne t'approche pas de moi. Ne le refais plus. Écoutez, je crois que quelque chose vous empêche d'entrer en contact avec un très gradué, intelligent corps qui va vous jouer. Hey, j'ai pensé qu'on avait dit que vous étiez aveugle. Attendez, oh. Êtes-vous vraiment aveugle? Hey! Tiens, qu'est-ce que tu as de dos là? Il faut vraiment qu'on puisse masser. Mais il est en train de blaguer. Hein? Regarde, tu m'as dit que une fille sans défense et aveugle t'a frappé jusqu'à ces points. Hein? Voilà, tu viens pleurer. C'est gna. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Itié!
Tu vois ce mot-là, ce mot sans défense que tu as utilisé, c'est le plus mauvais défoncé dans la prononciation de tous les vocabulaires qui existent. Hey, croyez-moi, hey, tu vois cette fille? Cette fille dépasse absolument tout ce qu'on peut appeler divinité. Allez, arrête, elle est rompue de mauvais esprit. Elle n'est pas du tout ordinaire, mon ami. Arrête, ça n'a aucun sens. Je l'ai toujours dit à Nietzsche que tu n'es rien d'autre à part un simple lâche. Ils viennent les voir. Un licencié en folie. De première classe. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est bien à toi que je parle. Itier, laisse-le. Je tout vais dit. Utiliser cette tête que j'ai ici pour pouvoir lui donner un coup. Il va Itier, tu sais très bien regardez-moi avec ce gars avec un seul coup. Hein? Mais pour qui hein? Il se prend ce gars hein? Itier, je m'énerve très facilement. Tu t'énerves très facilement. C'est regarde bon. Ton dirait un sage. Laisse-le. Pourquoi t'attraper? Laisse-le. Bien. Toi, tu es tellement hein? Bête. Tu étais censé emmagasiner hein? La dame pour que nous prenions cette terre. Ça devait simple. Passer par moi. Et moi, je vais transmettre ça au roi. Mm-hmm. Et lui aussi va transférer beaucoup mm-hmm. d'argent dans mon compte. Mm-hmm. Et moi aussi, je devais vous donner... Une petite partie. Une petite partie. Je ne vais même pas... Tu es en train de parler. Waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas envie d'être catapulté dans une guerre de colère. Parce que si tu me pousses jusqu'à mes fins, je te dirai que je connais ton problème. Je sais de quoi tu as peur. Ta peur, c'est parce que tu es si court, petit et vraiment très peureux. En caractère. Mais ne t'en fais pas, je peux te demander à mon très fidèle acolyte de te prêter ses chaussures d'élévation afin que tu deviennes géant pour que tu regardes cette fille face à face. Cette fille n'est pas ordinaire. Va le faire toi-même. Donne-lui tes chaussures. Itché, regarde ce qui va se passer. Hein. Comme tu peux le voir, c'est un ivrogne. Même s'il n'est pas rien du tout, tu peux voir qu'il est complètement oui, ivre. Oui, il est. Il boit même dans ses rêves. Oui. Voilà ce qu'on va faire. Hein. Je vais aller là-bas et prendre ses papiers pour toi. D'ailleurs, même si tu as besoin d'autre chose plus que les papiers, je vais les prendre pour toi. Et je vais alors prouver à cet idiot qu'il y a que c'est un idiot au-dessus des idiots et même des idiots à venir. Ne me laisse pas utiliser ma super arme de jugement, de supprimer comme ça. Tu n'aimeras pas ce que je vais faire, Itché, tu es supposé m'emmener à l'hôpital parce que tout mon corps ne parle pas le même langage que... Ma tête parle une autre langue que mes pieds. Ma hanche ne communique pas du tout. Emmène-moi à l'hôpital au lieu de dire n'importe quoi. Mais c'est pas un problème. Je vais te laisser essayer, au moins je vais te souhaiter bonne chance. Mais quand vous viendrez me voir dans ma chambre pour demander mon aide, je vais vous regarder tout droit dans les yeux pour vous montrer mon caractère. Idiot, bande d'hommes inutiles. Oublie cet homme-là. C'est qu'un ivrogne. Itché, je pensais que tu étais un bonhomme. Va-t'en d'ici, mon ami. Itché, laisse-moi te dire. Crois-moi. Oublie cet idiot. Ok. Voilà qu'il parle de chambre, tout ça. On vit d'ailleurs sous un manguier. On n'a même pas de chambre. Hein? Je te dis seulement la vérité. Mais écoute-moi très bien, quand j'irai là-bas, je vais te prendre ces papiers. Ok. Comme ça, on va pouvoir avoir l'argent. Je vais utiliser les miens pour tout ce que j'aurai envie de faire. Et tu vas utiliser les tiens pour acheter les fertiliseurs. Ce qui va te faire grandir. Oui. Ou parce que ta taille de nain là n'est non, vraiment non, pas bien. Non, il y a quelque chose que je vais te dire. Je te fais confiance. Parce que tu es le meilleur que ton ami. Voilà la exact, raison. Exact, hein, ce n'est pas un problème. Oui, tu pourrais aussi on acheter... Avançons. Petit n'est qu'aimé, sérieusement. Itché, votre majesté... En tout cas, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ou bien tu n'es pas en train de l'expliquer parfaitement. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu m'as donné ta parole. Tu m'as promis que j'aurai ces deux kima. Ça sera dans mes mains, dans ma possession, avant la nuit. Et la journée est en train de partir. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Votre Majesté? Je voulais juste vous demander d'être patient. Juste la patience. On a juste à changer le plan. Mais on aura ces documents. Je suis sûr de ça. Vous aurez les documents dans les mains à la fin de la journée. Et quand tu parles de changer le plan, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu veux dire que ces gens-là n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire? Votre Majesté, ce n'est pas seulement ça. Vous voyez? Ils sont en train de travailler pour ce qu'ils doivent faire. Mais ils ont juste à changer le plan. Ils doivent un peu prendre du temps. Le plan est en marche. Juste la patience. Ma patience est en train de s'envoler. C'est ça, Majesté. Je suis sûr. Je suis sûr que vous l'aurez. J'ai confiance à ces hommes. Je vous rassure. Thank you.
Oh, mademoiselle. Ton cher père était un très vieux ami à moi. Je ne saurais te dire à quel point il me manque depuis qu'il est mort. Puisse son âme reposer en véritable paix. Tu sais, c'est vraiment bien d'être rendu visite par l'ami de ton père. Même si cela veut dire une fois de temps en temps. Je suis ravie de ta présence. Oui. Tu y es le bienvenu. Merci, merci. Ok. As-tu amené la boisson? Oui, bien sûr. J'ai fait cela. Ok. Il y a quelques morceaux de biscuits dans la cuisine. Pourquoi ne pas aller le prendre et l'associer avec ta boisson? Oh oui, bien sûr. Pourquoi pas? Prends le tien. Oh. Merci beaucoup. Très bien, j'arrive. J'ai trouvé ça. Voici les biscuits. Oh, ok. Oui, mangeons. Oui, je peux voir que tu savoures ton jus. Oui. C'est un très bon jus. Je l'adore. Très très bon jus. Tiens-je-là. Votre Majesté. Hey. Quoi? Cette heure, dit-on. Cette bonne heure, et nous sommes toujours assis ici, entendez un seul homme. Votre Majesté. S'il te plaît, dis-moi quelque chose non, de non, nouveau. Non, non, attendez. Relax. Dans peu de minutes, ils vont la voir. Peu de minutes? Relax. Ils l'auront. Il y a confiance à cet homme. Hey, ils auront ça. T'en fais pas. Détendez-vous. Quoi? Ça pouvait être du poison. Honnêtement, je pensais que c'était du poison. Mais lorsque je t'ai entendu ronfler, je me suis dit que tu es un homme très chanceux et vraiment intelligent. Attends. Tu veux dire que tu as échangé nos verres? Échangé? Je suis simplement une femme aveugle. Je choisis le verre par moi-même. Mais comment as-tu su que Comment ne devrais-je pas savoir que tu voulais me droguer? Comment peux-tu être insensible? Qu'étais-tu en train d'imaginer? Que tu peux venir dans ma maison et faire comme bon te semble sans que je sois sur mes gardes? Je savais que tu n'étais pas le meilleur ami de mon père. Parce que je connais absolument chacun d'entre eux et même leur voix. Et lorsque tu m'as menti, je me suis décidée d'être très prudente et prendre note sur tout le mouvement que tu faisais. Tu devrais remercier le Seigneur que ce ne soit pas du poison. Sinon, tu serais mort à l'heure actuelle.
Sache que tu vas mourir avant moi, femme méchante. Etienne Diallo, Majesté, peux-tu s'il te plaît me dire les plans que tu as pour récupérer les documents? S'il te plaît, dis-moi. S'il te plaît. Tiens, Zelou, dis-moi. Votre Majesté, Etienne Diallo, c'était horrible. Cette fille n'est pas aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette fille est une sorcière. Qu'est-ce que tu racontes? Parle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est maléfique. Cette fille est très puissante. Aïe. Pas possible. Votre Majesté, je ne suis plus royal, je ne suis plus un professeur. D'ailleurs, je ne suis rien du tout. Je ne ferai plus rien du tout. Je me retire. Je ne ferai plus rien du tout. De quoi est-ce que tu parles, Ogite? Et ça veut dire quoi de quoi que tu parles? Est-ce que c'est par force maintenant? J'ai dit que je ne le ferai plus du tout. Je ne ferai plus rien du tout. Je pars d'ailleurs. Attends, attends, attends. Etienne Diallo, tu avais dit que tu auras une attends, solution. Mais j'arrive. Tu pars où? C'est à toi que j'arrive. Je parle. Etienne Diallo, reviens ici. Elodie, on a tout essayé. Tous les efforts qu'on a essayé de faire contre cette fille aveugle s'est voué à l'échec. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours comme ça? Inodibé, tu n'arrives plus à comprendre le français? J'ai entendu ce que tu as dit. Je n'ai rien à en dire. Vraiment? Où penses-tu partir? Au lit. Je n'ai pas encore fini avec toi. Je suis en train de te parler. C'est à toi que je parle. Votre Majesté, j'allais dans mon lit. Parce qu'apparemment, tu n'as pas encore réalisé qu'il se fait tard déjà. Tu m'as fait attendre de l'autre côté là-bas. Pour un document que toi et moi savions que ça ne viendrait jamais. Je n'ai rien dit sur ça. Bonne nuit, Votre Majesté. Ah, Ilo Debe. Faites beau rêve. Je n'ai pas encore fini avec toi. Moi, j'ai fini avec toi. Ah. Qu'est-ce qui a fait ce que cet homme puisse arriver à conclure que elle n'est pas aveugle? Je l'avais déjà dit à Vicente. Je vais définitivement changer le moteur du camion. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ce moteur. Après la durée qu'ils ont prise, cela montre que le moteur est complètement abîmé. Pour éviter les embouteillages, ceux-là qui sont causés par des très grands camions. Ne t'inquiète pas, je vais les changer. Exact, je changerai le moteur de ces camions. La personne que je t'ai envoyée sera bientôt là. Ok? Elle est toujours aveugle. Mais pourquoi il a dit qu'elle n'est pas aveugle?
Au revoir, Ichizono. Tu es une sorcière. Je t'ai attrapé. Démon. Sorcière. Un fou à 14 heures demeure un fou à jamais. Ouguette, qu'est-ce que cela veut dire? Quitte de mon chemin. Tu n'as pas honte de toi-même. Honte de quoi? N'es-tu pas fatigué, Isolant? Regarde-toi. Fatigué de quoi? Tu es en train de me dire que tu n'es pas capable, avec ton nouveau plan que tu as planifié contre la femme aveugle et les deux bêtes que tu as envoyées chez elle. C'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre réalité et vérité? Même si c'est vrai, c'est assez suffisant pour que tu quittes mon chemin? Ce n'est pas suffisant. Je veux que tu abandonnes. C'est la raison pour toi d'arrêter de décevoir le roi. Idiema, c'est tellement clair. Elle n'a pas besoin de donner cette terre au roi. Pourquoi vous tourmentez comme ça en conduisant le roi en erreur? Pourquoi tu fais semblant que tu vas réussir alors que toi et moi savons très bien que c'est faux? Nzelo? Ouais. Regarde, à ce sujet-là, tu n'as pas besoin de comprendre de travers. Moi, je suis un homme d'affaires. Exact. Oui, je comprends les affaires très bien. C'est pour cela que j'ai fourni beaucoup d'efforts à ce sujet. C'est pour cela que j'essaie d'aider le roi à trouver une solution dans cette communauté. Après cette information, il va monter des grades. La bonne opportunité, c'est le travail. Oui, après cet établissement, je vais apporter le développement dans cette communauté. Mais des fous comme toi, vont continuer de se déranger pour ça. Il n'y a aucun plan qui fera en sorte que tu reçoives les documents. Laisse-les partir à Oumneri. Oui, dans les temps anciens, les gens considéraient cette forêt. Avec le temps, ils doivent donner cette forêt. Mais nous connaissons bien. Cette partie de Oumuti était qu'une forêt. Mais nous savons, c'est maintenant une grande partie de la terre. Et ça contribue dans n'importe quelle raison ici. Elle est là, la forêt. Sans être habitée, que des animaux dedans. Laisse les rois aller là-bas et prendre une portion et l'arranger. Et il peut construire tout ce qu'il voudra. Y a-t-il un problème en ça? Inzelo, continue sur le mauvais chemin. Je n'aime pas. Toi, tu as toujours cherché des désordres avec moi dans cette communauté. Mais je vais te donner ce que tu es en train de chercher. Oui, les triples des problèmes, on va voir si tu vas les supporter. Regarde-toi comment tu es. Et tu parles même. Ne t'inquiète pas, je vais en finir avec toi. Comment tu peux dire ça? Que veux-tu dire? N'est-ce pas que je dis vrai? Cette fille, c'est une personne mystérieuse. Et un jour, elle va se donner la mort elle-même. Je ne peux pas croire que ça sort vraiment de toi. Tu es vraiment sûr que tu es l'ami d'Edima? Je le suis. Voilà pourquoi je dis tout ça. Regarde la façon dont tout le monde la regarde et il l'appelle une sorcière. Je l'avais interdit toutes ses habitudes mauvaises qu'elle doit laisser au roi sa stupide tête. Mais non, et tout ça revient sur nous. J'irais même dire ça sans présence. Ah, je suis vraiment confuse. Qui es-tu maintenant? Qui es-tu? Parce que tout ce que tu dis ne peut pas sortir de toi. Et, tu t'attends parler? Ça n'a pas de sens. Je n'arrive pas à le croire. Oh, tu te retournes contre moi maintenant? Ok, bien. Mais sache que je suis en train de dire la vérité. Attends une minute. Qu'est-ce qu'une femme peut faire avec la terre? Oh! Ilonigwe, je suis en train de te parler. Ilonigwe! Quoi? Où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Combien de fois vais-je te dire que je suis en train de sortir me dirigeant à une réunion d'affaires? Une réunion qui va faire grandir mon royaume. J'apprécierais maintenant que tu arrêtes de m'énerver une minute. C'est un business concernant le terre, n'est-ce pas? Alors pourquoi le roi t'avait appelé la nuit dernière? Pourquoi tu ne veux toujours pas me dire ce que le roi t'avait dit la nuit dernière?
Ilodibé, je suis ta fiancée. Pourquoi tu me caches des choses? Stop! Apparemment, tu n'es pas du tout occupée ce matin. Je vais te donner des options. Va dans la cuisine. Prépare la nourriture de ton choix. Peins ton visage. Peins tes ongles. Peins absolument chaque partie de ton corps, si c'est ce que tu désires. Ou même va dans la parcelle. Conduis absolument une quelconque voiture de ton choix. Mais laisse-moi te prévenir pour la toute dernière fois. Reste loin de mes affaires. Reste loin de mes affaires. M'as-tu entendu? Je ne le répéterai plus. Garde! Mes clés, tout de suite! Je ne sais pas pourquoi je reste avec toi. Bonjour, ma princesse. Vous voulez quelque chose? Dégage! James? Oui. Crois-moi, je suis flattée. Mais je t'avais déjà parlé. Et je ne sais pas pourquoi tu ne me comprends pas. Je sais que je suis différente de fille de Oumuetié. Tu penses que j'ai oublié que je suis une aveugle? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je peux prendre soin de toi. James, pourquoi t'es-tu arrêté? Sincèrement, tu ne pouvais pas abandonner. Abandonner? J'abandonnerai jamais. Je suis un homme, je vais tenir le coup. Tu es la plus belle des femmes. Laisse-moi entrer, je t'en prie. Hein? Te laisse entrer où? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je ne suis pas du tout contente de ça, ok? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Excuse-moi? J'avais entendu ton histoire. Mon histoire? Oui. Bien sûr que tu es aveugle. Les hommes viennent autour de toi. Tu les rejettes en masse. Personne ne s'approche de toi. Ils disent que tu es lié à une organisation. Toutes ces personnes-là disent qu'elles vont te marier juste parce que tu es aveugle. Je crois que c'est ça qui te rend fier. Je te prie de m'excuser. Écoute, l'homme peut faire tout ce qu'il veut pour l'amour. Et comme tout le monde veut sortir avec toi, tu sens comme si tu es la seule femme. Tu es trop fière. Aujourd'hui, je ne te laisse pas. Je te dis, respecte-toi. Respecte-toi. Doucement. Attends. Au secours. Laisse-moi tranquille, je te dis. Laisse-moi partir. Attends. Laisse-moi partir. À quoi? L'aide. Mon Dieu. Au secours. Hey. Laisse-moi partir. Hé, hey, toi. D'où est-ce que tu viens? Hein? Qui t'envoie? Réponds-moi. Qui t'envoie? Qui est-ce qui t'envoie? Réponds tout de suite. Qui est-ce qui t'envoie? Qui est-ce qui t'envoie? Sors tout de suite. Sors tout de suite. Merci. Hey. Hey. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Par ici. C'est bon maintenant. Je suis là. Sais-tu ce qu'il voulait? Hein? C'est bon, ça va. Assieds-toi maintenant. Attends. Tiens, prends. Oui, avance. Voilà. Bien. Voilà, tu y es. Assieds-toi. Merci, mon prince. Merci infiniment. Je te remercie, mon prince. Tu n'as pas à me remercier. J'ai fait tout ce que tout homme raisonnable aurait fait. Je remercie les seigneurs que vous soyez arrivés au bon moment. Je n'ai jamais imaginé, même en rêve, que Jim pouvait me faire une telle chose. Mais à présent, je m'étais trompée. Non. Je t'en prie, ne parle pas comme ça de toi-même. Écoute. Même avec toute la vue du monde, on ne peut rien savoir lorsque un psychopathe comme celui-là décide de garder la vérité. Ça a toujours été ainsi. C'est bon. Mais mon prince, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Excuse-moi. Oui.
Tu y es chez moi. Encore. Aujourd'hui. Pourquoi es-tu là? Je ne comprends rien. Tu m'as réveillé à 7h pour m'amener ici. Tu es silencieux. Qu'est-ce que je fous ici? Je veux que tu te rapproches d'elle. Excuse-moi. Tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais je ne sais toujours pas à qui est-ce que tu fais référence au juste. Papa, ce serait... Oh, ça concerne la fille aveugle. Et si je te dirais autrement, allais-tu me croire? Ce que je ne crois toujours pas, c'est que mon père sait très bien que j'ai une fiancée. Mon père sait que j'ai une fiancée, mais malgré ça, il essaye de me lier avec une fille aveugle. Je ne t'ai pas demandé de l'épouser. Tout ce que je veux que tu fasses est qu'elle te croie. Et alors elle te donnera ses documents. Est-il difficile comme demande? Pour quelle fin? Je te demande, père, pour quelle fin? Me rapprocher d'elle? Lui ravir ses terres et finalement l'écarter, juste comme ça, comme une poubelle? C'est ce que tu veux? Une bonne question. Encore cela, au moins de cette manière, elle deviendra le membre de notre famille dans la vie réelle. Des fois, quand tu parles, je me demande, où est ta dignité, père? Où est ta sainteté? Où est ton sens de royauté? La dignité, la sainteté, sens de royauté. Tu parles toujours comme un enfant. Laisse-moi te dire, fils. Oublie l'issue des bénévolents. Nous sommes en train de parler de ton futur, ouais. Ton futur est d'être roi de ce royaume. As-tu déjà arrêté de penser à ce que ça veut dire d'avoir la satisfaction de ce royaume? As-tu déjà pensé? Écoute-moi, mon fils. Cette terre, c'est la seule terre de paix à cause de sa particularité. Et s'ils l'ont réussi à construire notre usine là-bas, ça va attirer un bon nombre des yeux. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire pour Oumouete? Pour toi? Penses-tu que je ne me rends pas compte de ce que tu es en train de mentionner? Bien sûr que je comprends ça. Mais tu ne comprends pas que... Oh, arrête-toi là, mon fils, Elodibé. Tu es un jeune homme dans ta tête. Et tu n'arrives pas à comprendre ce que ça veut dire pour avoir la seule condition d'amour pour une femme. Fais-moi une faveur. Sécurise ton futur avant que je rejoigne mes ancêtres. Tu ne m'as pas répondu. Je suis désolé. Je ne devrais peut-être pas être ici. Je dirais que j'étais juste en train de passer dans les voisinages et j'ai entendu ta voix et... j'ai décidé de venir te secourir. Mon prince, tu veux dire que tu étais chez nos voisins et tu as entendu ma voix? Allons, mon prince. Tu es au-dessus de ce genre d'excuses. Dis-moi pourquoi tu es ici. Je crois que je devrais juste partir. J'ose croire que tu vas mieux maintenant, n'est-ce pas? Oui, je vais bien. J'irai contacter Mati, mon amie. Elle viendra me tenir compagnie. Dans ce cas, je dois juste partir. Passez une bonne journée. S'il vous plaît, fermez la porte après vous. T'en fais pas pour ça.
mon prince, tu es venu chez moi pour me faire sortir d'ici, de parler en secret. J'espère que tout va bien. Qu'est-ce que tu as trouvé de si difficile de parler? Mon prince, je ne devrais pas être ici. Excusez-moi. Tu ne devais pas être ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la famille royale veut à tout prix cette partie des terres de la femme aveugle? C'est un truc de fou. Hein? C'est vraiment un truc de fou. Hein, mon roi, à propos de ce qui était arrivé la fois passée, je... Tout va bien, tu n'as pas à t'excuser pour ça. J'ai déjà oublié tout ce qui était passé. Honnêtement, je pense que tu dois prendre un peu de repos pour ce royaume. Parce que mon fils et moi avons pris les choses à main. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire pour prendre les choses à main? Lorsque le temps viendra pour les explications, tu comprendras. Mon roi, j'ai commencé dans cette affaire depuis longtemps. Et je suis prêt à tout faire pour aboutir à la réussite. Ce n'est pas à cause de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez me chasser comme ça avec une telle décision? Nous espérons un truc qui est loin de la commission. Je peux te donner ma parole. Non, votre majesté, comment vous pouvez faire un truc je veux dire, est-ce que vous êtes obligé? Non, moi j'ai compris déjà. Crois-moi. Il n'y a rien que je puisse faire pour me faire croire. Absolument rien. Alors, pourquoi? Je fais partie de ça. Je suis dedans. Je suis là. Et je vais me donner à fond. Je veux le faire de ma manière. Appelant inconnu. Allô? Ça veut dire que tu n'as pas un cerveau? Je t'avais interdit de ne plus m'appeler. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter? Arrête de m'appeler avant que je me perde et que je te fasse quelque chose de mal. La femme la plus fière de ce royaume. Ogwefi? La plus recherchée. C'est une surprise inattendue. Je n'ai jamais pensé que vous pouvez venir chez moi. Pourtant, vous êtes le bienvenu. Idjemara, comment ça va? Je vais bien, Ogwefi. Je suis cette femme-là qui a survécu à plusieurs dangers. Mes pères sont ceux qui veillent sur moi dans ce monde. Quoi qu'il en soit, je parlais au groupe des anciens vigilants des Oumouete. À partir de maintenant, ils auront leurs yeux ainsi que leurs oreilles sur toi. Merci beaucoup, Ogwefi. Ce n'est pas tellement bien que tu vives seul. Je pense qu'il y a quelque chose qui va t'arriver ici. Très souvent, mes amis viennent me tenir compagnie. Je vais bien. Ce n'est pas pareil ce que tu dis, tu sais. Je vais causer avec ses parents. Il faut que tu vives avec eux. Pour peu de jours, même une semaine. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Ogwefi. Je...
Je crois que James ne commettra plus l'erreur qu'il a commise précédemment. James? Quel James? Je croyais que le prince t'avait informé de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi tu es là. Tu n'étais pas au courant? Et tu es venu signer les documents? Jusqu'au cas où il aura quelque chose d'imprévu, il faut signer déjà avant. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Où est filmé? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est quoi le problème avec toi? Pareil. Ouais, violer les femmes, c'est ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Reste en dehors de ça. Reste en dehors de ça. Calme tes nerfs. Qu'a-t-il fait au juste? Il a violé une fille aveugle, sans défense. Quoi? Écoute-moi. Ou bien fou, peu importe comment on t'appelle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Briba. N'ose plus me toucher. Oh, si encore tu me touches encore, je vais... Je ne sais pas. Ogwe, fille. Quelle fille aveugle? De quoi parles-tu exactement? Combien de filles aveugles connais-tu, dis-moi? Non. Pas Idiema. Qui d'autre? Oh mon Dieu. J'espère que c'est pas une blague. Tu es vraiment sérieux? Mais je suis en train de te dire ce qui s'était passé. Tu es venu ici pour faire les affaires et tu as changé d'objectif. Tu vas quitter cette communauté aujourd'hui et ne jamais rentrer. Oui, je t'ai dit ce qui était passé. Il est venu pour faire les affaires. C'est ce qu'il devait faire. Je vais rapporter cette affaire contre toi devant la divinité de Oumete. Si seulement demain. Tu es encore ici dans ce royaume. Aucun natif de Oumete ne soit tenu pour responsable de tout ce qui va t'arriver. Itché, je ne crois pas ce que vous dites. Vous n'avez aucun droit de faire une telle chose à moi. Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. Si jusqu'à demain tu restes ici, on saura qui a raison. Monsieur James, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vas quitter ce royaume à la première heure. Hey. Et ne jamais retourner. Ne retourne jamais. Manager. Mais non, vous vous moquez de moi, sérieusement? Vous voulez dire que vous croyez à tout? Toutes ces fausses allégations? Tu continues de nier. Tu as commis une abomination contre une femme de Oumete. Ne t'en fais pas. Tu verras ce qui va t'arriver si tu restes encore ici. Bâtard! Oh, Buffy, je vous respecte. Excuse-moi. Est-ce que tu connais qui je suis? Est-ce que tu connais la grandeur de ce que tu as fait? Comment je peux croire à une chose comme ça? Malidia, tu crois ce que ce fétichier a dit? Tu n'as même pas intervenu pour moi et voilà tu es en train de me crucifier juste pour ça. Est-ce que tu connais au moins ces natifs? Ce que tu as fait à Ada, la fille aveugle, c'est un crime sérieux. Quitte Monsieur James et n'est jamais retourné ici. Malidia, j'ai vu... Si pas le malheur de ces terres, va te poursuivre partout. Hey, quitte mon bureau. Je ne sais pas ce que... Quitte je maintenant. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la j'ai tête. J'ai dit quitte. Si celle féticheur a gâché tous mes plans. Tu es un peste. Allô? Écoute. Donc, tu es en train de me dire que tu es engagé à un homme qui... Ne te dis rien à propos de ses plans ou là où il se trouve. Je suis désolée, Ité. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu m'interroges sur ma relation? Oh non, je ne suis pas en train de t'interroger. Je t'ai juste posé une question. Et tu as la capacité de me répondre à ce que je veux. C'est juste une question. Une question seulement. Non, Ité. Les disputes ne manquent jamais. Quand ta femme était encore en vie, tu avais su toutes choses à propos d'elle. Tu étais trop ferme envers elle. Tu es en train de me comparer entre ma relation avec ma femme et ce que tu as avec le prince aujourd'hui? Et tu, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi tu te donnes trop à ma relation amoureuse? Égodé, peux-tu s'asseoir et jurer que tu es dans une relation amoureuse? Itché, qu'est-ce que cela veut dire? Oh, tu me déçois. Égode,
tu me déçois. Ije! Ije! Il veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça? Et qu'est-ce que cela veut dire? Tu es de retour? Pourquoi si vite? Père, je ne peux pas faire ça. Ça se termine maintenant. Ne me dis pas que tu es en train de me tourner le dos. Je suis en train de construire un héritage pour toi. Tes propres enfants qui vont en bénéficier. Pouvons-nous trouver une autre manière? Elodie, ceci ne dépend plus de ma volonté. Au fait de personne ici. Plus personne ne peut rien faire. Mais je veux que tu m'écoutes. Très bientôt, je vais me fatiguer et tu vas prendre le contrôle. Et la question est, est-ce que tu veux être roi? Quand je l'ai tenu entre mes mains, j'ai cru que je faisais la même chose que James était venu faire. Prendre l'avantage sur une fille aveugle et inoffensive. Je ne t'ai pas demandé de parler de la femme avec. Je suis le roi de ce royaume et je ne peux pas approuver cela. Et tu le sais bien. Comment donc vas-tu résoudre cela? Je te demande seulement de faire en sorte qu'elle te croie, c'est tout. Alors pourquoi es-tu en train de comparer ceci à un viol? C'est quoi la raison de comparaison? Je vais te dire la raison de cette comparaison. James est allé là-bas pour ses intérêts égoïstes. Ses désirs personnels. Pourquoi suis-je en train de vouloir gagner la confiance du Tima? Par amour? Non. Mes intérêts personnels et mes désirs égoïstes. Maintenant toi, dis-moi, quelle est la différence? L'héritage, c'est ça la différence. Oh, l'héritage. L'héritage, c'est tout ce que tu n'as pas cessé de dire. Que sais-tu de la définition de l'héritage? James est allé là-bas pour avoir le plaisir. Et toi, tu vas là-bas pour sécuriser ton héritage pour ton futur. Jusqu'à ce que tu céderas. C'est ça la différence. Lodibé, comme je l'ai dit avant, bientôt tu vas prendre le contrôle. Et je te pose la question encore. Est-ce que c'est comme ça que tu veux être roi? Qu'est-ce que le roi espérerait vraiment? Pourquoi personne ne me l'a dit? Ça veut dire que le roi a finalement cessé de croire en moi. Ah ah! Attends. Est-il possible qu'il cherche à convaincre la femme aveugle pour avoir cette sans mon aide? Les rois planifient de m'éloigner du projet. Et je veux le prouver que ça ne sera pas possible. Jamais. Impossible. Oubezoubou, j'aimerais juste te poser une question. Juste une. Il ne veut pas de moi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas de moi. J'ai juste besoin d'une simple réponse. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu peux embrasser mon cul pendant qu'il y est. Aïe.
Voilà ta simple question. N'importe quoi. Mon cher, je connais ton plan. Oui, je comprends ton mécanisme diabolique. Mais je te dis, oui, je sais. Tu veux rentrer faire la paix avec le roi et parler contre moi. Hein? Mais je te dis que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je suis le Onou de ces royaumes. Moi, Itié Zélo, Zélombe, je suis le Onou de ces royaumes. Et il n'y a rien que tu veux faire contre ça. Ne t'en fais pas. Avance avec ce que tu veux faire. Iselo. Oui, je t'ai dit que personne s'occupe de toi. Moi, je te le dis encore. Hé, hey, en fait, je ne suis pas dans ces histoires bêtes. Alors, dégage de ma maison. Moi. Dégage, dégage. Je vais t'écraser le nez. Regarde-moi là comme tu es là. Hé, hey, attends. Je devrais... Hé, hey, Zodou. Hé, hey, je vais... Si tu restes encore là, tu vas me voir. Et voilà. Toi, je t'aurai. Dégage de là. Attends, le temps viendra, je t'aurai. Je dis, je vais quitte dans ma selle. Tous tes plans là, gars, sont nids de chasse. Sors. N'importe quoi. Tu ne vas pas rester cœur. Avec ton plan. Hey, regarde. Hey. Toi, je vais te frapper. Comment tu vas? Oh, moi, je vais bien. Tu es juste en train de te reposer. Bien sûr. Je peux m'asseoir? Assieds-toi, assieds-toi ici. Comment vas-tu? Très bien. Ok, alors... Eh bien, ma... Ne te stresse pas pour ça, ok? Je vais parfaitement bien. Tout va pour le mieux. Non, Idiema, non. Je ne peux pas croire que tu étais encore torturée. Viens avec moi chez nous. Ma maman insiste. Et la vérité est que... J'aime énormément ta mère pour tout ce qu'elle ne cesse de faire pour moi. Mais ma chérie... Je suis dans ma propre maison. Et je ne peux pas fuir parce qu'il y a beaucoup de fous. Idjé, cette guerre de terrain entre toi ainsi que la famille royale devient ingérable. Et tu as besoin de la sécurité. Tu ne peux plus encore rester ici. Mais pourquoi tu t'inquiètes comme une vieille femme? Je te l'avais dit. Je vais bien. Hein? Ok, ce n'est pas un problème. Tu le veux. Regarde. J'ai une autre option pour toi. Pourquoi pas aller à la cité, voyager partout où tu veux. Juste pour ne pas rester ici. Avec tous ces méchants hommes près de toi. Ma... Je peux être aveugle, mais je vais leur combattre. Je suis la guerrière de mon père. Je verrai ceci jusqu'à la fin. C'est uniquement le fou qui s'enfuit. Je ne suis pas folle. Je te demande encore, comment tu es entrée dans ces palais? Comment est-ce que tu l'as fait, Onyeze? Avez-vous oublié que je suis encore un membre du conseil? Même si vous m'avez chassé dans ce palais, ça n'enlève pas l'accès pour moi de venir ici autant de fois que je voudrais. Ça, c'est ma maison. Je suis d'accord avec vous, Onyeze. Mais cette place, c'est là où se tiennent les réunions de Oumete. J'ai dit, j'apprécie le courage, l'effort que tu as. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu ne quittes pas cette place dans les 5 prochaines minutes, je jure par le Dieu de cette terre, je ne serai pas responsable de tout ce qui va t'arriver. Je vais partir, Onyeze. Mais avant que je parte, je veux te faire comprendre une fois de plus d'arrêter ces jeux. Tu es en train de jouer avec cette femme avec. Elle n'aura pas l'audacité de s'éternir contre toi. Mais elle a un autre Omunedi. Et les dieux ne vont pas la laisser comme ça. Fais un bon choix. Pense-y. Si tu vois un méchant danser dans la route, sache qu'il y a un bataillon derrière lui. Je suis parti.
pense à ça. Oubouifi. Quand êtes-vous arrivé? Je suis surpris de vous voir. Êtes-vous réconcilié avec mon père? Je n'ai pas de problème avec ton père. Ton père a un problème avec la vérité. Et cette vérité, c'est ce que j'étais venu lui dire. De quelle stupide vérité que tu es en train de parler? De quelle vérité parlais-tu? Il en dit bien. Il n'y a que très peu de questions qui ne peuvent être déterminées que par les talents et l'habilité des humains. Si tu as fait de ton mieux, tu es déjà passé. Il y a un jeu qui se joue dans la famille royale contre cette innocente jeune aveugle. L'homme qui joue le jeu doit désister immédiatement avant que l'esprit d'Umada se voie face à face. Tout sera tué. Que je répète, tout sera tué. Il n'y aura jamais l'incarnation. Je suis parti. Mon prince, je ne pense pas que tu laisseras ces messieurs mettre des confusions en toi. Il a l'air de comprendre ceci bien mieux que vous ainsi que mon propre père. Mon prince, ne laisse pas ton père entendre ça. Parce qu'il ne sera plus gentil avec toi. Il ne sera pas. Mon prince, où vas-tu? Où est-ce que tu es en train de partir? Merci. On peut partir. Ouais, on y va. Ne vous en faites pas. Je vais bien. Votre Majesté. Votre Majesté, j'ai vu le prince en train de partir. Je vois. Il vous a dit là où il est parti? Le prince est un adulte maintenant. Il a ses raisons d'être parti comme ça. Ça veut dire qu'il vous avait rien dit là où il est parti? Etienne Diallo, Majesté. Il semble que tu m'aies pas encore donné les rapports détaillés de comment l'argent qui était dans ton compte avait été dépensé. J'espère que c'est pour cela que tu es là. Votre Majesté, vous voyez, je... Combien de fois je dois t'interdire de m'appeler? Je t'ai déjà défendu de m'appeler. Arrête avec cette façon de me parler. Je ne vais surtout pas parler avec toi. Écoute,
Si tu me forces de se souvenir de toi, ta famille saura de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mon prince, je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps que vous étiez parti et vous êtes revenu encore. C'est tellement frustrant. Et tu es entré par la cuisine? Quelle est la raison? Pourquoi n'acceptes-tu pas simplement mes excuses? Et oublie ce qui s'est passé. Je ne comprends toujours pas. Bien, j'ai juste envie de dire, je suis désolé. Je veux juste m'excuser de la part de ma famille pour absolument tout ce qui s'est passé dans cette maison. Je suis désolé. Je te dis en cet instant que je vais rendre tout ça différent. Je vais blanchir chaque mal. Je vais arranger les choses. C'est pourquoi je te demande, s'il te plaît, pouvons-nous être amis? Je sais à quel point c'est dur pour toi. Je le comprends très bien. Mais je te promets une chose. Je vais arranger les choses. Ah, mon prince. Faire cela n'est pas un problème. Mais je suis confuse par tout ceci. Je veux juste que... C'est juste que je veux savoir. Tu n'as pas à être confuse. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me donnes une chance. Et je te promets que je vais absolument arranger les choses. Laisse-moi être ton ami. Votre Majesté, croyez-moi quand je vous dis ça. Evie Zoudou, c'est un hypocrite de haut niveau. Et il est dangereux. Il est rusé. Quoi qu'il vous a dit ou il a essayé de vous faire croire, tout ça là, ce sont des mensonges. Que des mensonges. Je veux dire, Votre Majesté, vous ne pouvez pas travailler avec lui. Et qu'est-ce qui te fait croire que je travaille avec lui? Je pense que il serait... Vous savez très bien que je suis trop attaché à vous. Et je suis un bon conseiller. Et très confident. Oui. Je sais que vous avez des doutes. Et si vous n'arrivez pas à me les dire, vous pouvez quand même me croire. Ça veut tout simplement dire que nous nous faisons confiance. Tu ne me respectes pas en disant cela. Vous n'êtes pas obligé de parler une chose pareille. Bon, je crois que j'ai compris, pas de problème. Et à quoi penses-tu aller, Votre Majesté? Chez moi, bien sûr. Je crois qu'on a déjà tout parlé. Très bien. Cette partie que tu refuses de me dire, je crois que tu as une raison. Ça m'importe peu. Je continue à te voir comme mon meilleur ami. Je t'ai dit la vérité. Assieds-toi. Merci, Majesté. Alors... Père, comment as-tu pu? Hein? Comment as-tu pu? Je suis surpris. Pourquoi si tu ferais une chose pareille? Comment peux-tu dévoiler un secret à Itié Zélo? Comment, dis-moi? Et alors, si Idjema le découvre, que ferais-tu? Est-ce que tu peux t'asseoir, fils? S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça prend une autre allure, mais c'est une partie que toi et moi en faisons partie. Si tu me demandes, je dirais que l'associer dans ces problèmes, c'est une bonne idée.
Je suis tellement sûr que honnête, ça peut nous être important que nous ne pouvions imaginer. Ça, j'en suis sûr. J'espère que tu sais ce que tu fais. Sinon, tu seras complètement fini. Je sais ce que je fais. Pourquoi tu es rentré si tôt aujourd'hui? Que voulais-tu que je fasse? Rester dans sa maison? Père, tu dois régler ce problème. C'est vraiment important. Fils, et c'est comme ça que tu veux faire les choses? Et crois-moi quand je te dis, dans peu d'années, tu seras sur cette chaise. Et c'est pour cela que je continue à croire que amener Etienne Djelou dans ça, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Une très bonne chose. Il y a des jours de cela, j'aurais été à la meilleure position pour confirmer cela. Idje, je sais que c'est trop étrange de voir le prince s'attacher trop à toi. Mais tu dois être prudente. Extrêmement prudente. Ma, je t'avais déjà dit de ne pas trop t'inquiéter. Ce n'est pas à cause de la terre. Le prince était sincère lorsqu'il était venu ici. Je peux le voir dans sa voix. Relax. Il n'avait pas des idées noires lorsque nous étions ensemble. Alors tout va bien. Bien sûr que non. Cela ne change pas du fait que son père veut avoir ta tête sur un plateau. Idje, viens à la maison avec moi. Regarde, ma maman est trop inquiète pour toi. Juste, viens à la maison. Oui. Elle m'avait fait comprendre qu'elle était juste venue pour me rendre visite. Ta mère est une bonne personne. Dis-lui que je ne cesserai jamais de l'aimer. Ok. J'ai essayé, Jay. Là, c'est un autre point. Tu sais que ma mère fera tout pour toi. Je le sais. Ma. Tu es mon amie de longue date. Tu as toujours été gentil envers moi. Je ne cesserai de te remercier pour tout ce que tu fais. Mais je préfère vivre ici avec un corps infirme que de sortir de cette maison avec mes deux jambes. Idjima, tu es vraiment sérieuse? Donc, au lieu de me suivre à la maison, hein, tu vas rester ici pour que tu tues pour moi, Idjima. Donc, tu vas rester ici. Egod, tu es la bienvenue. Quand tu dis que je suis l'homme le plus honnête dans ce royaume, tu as raison. Et quand tu dis que tu aimerais qu'on se réunit avec le roi, y compris les princes, tu as tellement raison. Et quand tu dis que tu connais ce qui se passe, la princesse se demande maintenant. Devrais-je te dire que tu as tort? Mais je ne sais pas ce que les rois mijotent. Je ne sais pas non plus ce que les princes mijotent. Je ne peux pas y croire. Rien de spécial.
Tu as l'air très désespéré et perdu en même temps. Papa, il m'a rien dit. Personne m'a encore dit quelque chose. Il est sur le point de t'épouser? Oui, bien sûr. Alors je te conseillerais de faire une bonne chose. C'est qu'il le gardera de ne pas aller voir une autre. Qu'est-ce que tu veux dire? La patience. Les couples se battent souvent quand il n'y a pas de patience. Les compatibles fréquentent toujours les compatibles. C'est parce qu'on est aveuglé qu'on ne voit pas le mal. Mais toute chose n'y va pas bien. Je crois vraiment que tu avais pensé beaucoup à ça. Alors, pourquoi tu es incertaine aujourd'hui? Nine, tout le monde vous respecte dans ce royaume. Et j'espère qu'elle aussi. Je vous en prie, parlez-lui. Bien. Je ne sais pas à quel genre de jeu que la famille royale est en train de jouer. Mais quant à moi, je ferai le tout pour le winner. C'est vraiment ce que je suis en train de dire. Mais avant tout, tu dois d'abord... Nye, parle avec elle. Dis-lui d'être si prudente. Avec ce qu'elle fait, elle devra être si prudente, Nye. Je t'ai déjà dit. Ne t'inquiète pas pour ça, je le ferai. Nye, la partie la plus importante de cette réunion est que je veux que tu convainques Idema de quitter cette maison. C'est trop dangereuse. S'il te plaît. Mais elle a des gardes autour d'elle. Okuke fait seulement tout ce qu'elle veut. En tout cas, elle me déçoit de son comportement. Je veux juste qu'elle vienne avec moi. Par là, je serai sûre et certaine qu'elle est sauvée. Si seulement on pouvait quitter cette maison, elle restera toute seule. La maison est grande, c'est pas trop prudent. Je ne pense pas que c'est prudent. Très bien. Je connais Ijema, mais je ne peux pas te les garantir. Mais je te promets que je ferai tout de mon pouvoir pour la garder en vie. Et je vais te rassurer qu'elle ne fera aucune erreur. Et je te donne ma parole. Ma parole, elle est liée à moi. Oh, merci. Je t'ai dit plusieurs fois encore. Arrête de m'appeler. Arrête de jouer à cette folie. Regarde, juste arrête de m'appeler. Je ne veux pas parler avec toi. Juste prends tes distances et laisse-moi tranquille. Écoute, si tu veux chercher quelque chose qui peut te tuer, s'il te plaît, cherche ailleurs. Ne m'appelle plus. Mon amour. Avec qui parles-tu? Mon amour, ça fait combien de temps que tu es resté là? J'ai posé une question. Avec qui parles-tu? Elle est mon amie. Il est mon ami. Elle est ton amie. Tu es en train de sortir. Vas-tu donc constamment me poser cette même question à chaque fois que je quitte ce palais? Non, mais... À ce propos... Une chose que tu dois comprendre est que... Il arrive un moment dans la vie d'un homme qui est imprévisible et qui demande l'intimité, qu'il soit marié ou pas. Ça ne veut pas non plus dire qu'il ne t'aime plus encore. Cela veut tout simplement dire qu'il y a certaines choses qui doivent être entretenues de soi-même sans la connaissance de sa femme. Mais ça m'a juste... rentre à la maison et détends-toi. Si tout va bien, tu seras la bonne reine et savourer l'opportunité de cette place. Si seulement tu y crois de toute ta vie.
Sa Majesté, tu me donnes trop d'espoir quand tu dis tout cela. Je te dis seulement la vérité. Tu appartiens à mon fils et personne ne peut changer cela. Merci, Sa Majesté. Je t'en prie. Je dois aller. Avec tout le respect que je vous dois, Ichie, je comprends que vous vous inquiétez à ce sujet. J'essaie de te faire comprendre que tout ira bien. Tu me rassures. Comment est-ce que tu fais pour me rassurer? Les mots de ma bouche, c'est tout ce que j'ai. Alors tu dois me croire. Alors tu comprendras la signification de tout ceci. Oh, j'en doute pas. J'accepte que tu crois que la famille royale n'est pas capable d'avoir ce qu'il veut. Mais crois-moi, ils le sont. Mais Ogwefi, ils ont voulu me tuer. Ils l'auront fait il y a longtemps. Il va falloir que tu oublies cela. Il n'y a personne qui connaît la localisation de cette terre. Hein? Ils savent que si tu meurs maintenant, ils vont perdre ces documents à jamais. Il faut que tu penses à ça. Au moins fait. Où sont les documents? Donne-les-moi maintenant. Ogwefi, ils sont en sécurité. Ce n'est pas ce que je demande. Ogwefi, si tu me connaissais bien, tu aurais compris que je ne suis pas si stupide. Pour l'avoir caché là où les gens le verraient facilement. Quel que soit où ils sont en sécurité. Alors, je suis désolé de vous interrompre. Je crois que c'est le moment. Je me disais... Cette discussion n'est pas terminée. Bonjour, Mazi. Bonjour, mon prince. Mon prince. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Amaka, ça fait 10 semaines que tu ne te laisses plus voir. Et même créer un peu du temps pour aller la voir. Et tu penses que je te saluerai quand je te verrai? Donc, on est maintenant ennemis, c'est ça? Amaka, tu considères toujours Idema comme ton ami? Non, si. Je considère toujours Idema comme une femme qui n'a pas pitié d'elle-même. Tu veux dire quoi? Une femme qui préfère rester loin de la maison de ses parents et essaye de se battre pour une partie de la terre. Ce ne sont pas les genres de femmes que je préfère. Je veux dire, est-ce qu'elle est consciente de la vie qu'elle aurait? Battre un homme qui a la volonté de lui donner son nom. Parce que ça, ce n'est pas clairement la vie de Idema. Peu importe, c'est moi. Alors crois-moi. Je travaille de notre côté. Ça, c'est bien. Réjouis-toi. La vie sera plus mieux sans le bêtise que tu as dans ta tête. Félicitations. Félicitations. S'il te plaît, parle-moi de cela. Ça, ce n'est pas ton problème. La personne la mieux placée serait toi qui peut donner des bons conseils à Idema. Une femme ne peut pas suivre tout ça. Adana, même la beauté a une date d'expiration. Et on sait tous que cette terre appartient aux hommes. Imagine une vieille aveugle. Aucun homme l'épousera. Peut-être que je dois conseiller mon frère à l'épouser. Tu peux fermer ta bouche, s'il te plaît, avec des commérages stupides. Je n'arrive pas à y croire que je te prenais comme une amie toutes ces années. Je ne savais pas exactement ce que tu es. Écoute-moi, Amaka. Aucun homme pouvait prendre ça et le mettre dans sa maison. Ne me prends pas pour une folle. Oh mon Dieu. Franklin, tu as été mon avocat pendant des années. Voilà, tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Pourquoi tu racontes les hérésies à mon propos? Écoute-moi, Franklin.
Je n'ai pas dit que nous allons voler ces documents. Non, c'est pas ce que je dis. En ce moment, nous ne savons pas là où les documents sont. Oui. Peu importe. On a un plan pour avoir les documents. Et quand ça arrivera, ton travail sera juste de changer mon nom et celui de mon fils. C'est si difficile comme demande. Franklin, je suis en train de te dire que c'est tout ce que je te demande. Oui? Alors, prépare-toi pour ça. Alors, tu ne m'as toujours pas dit comment est-ce que tu gères tout ça toute seule? Eh bien, je peux dire que c'est très facile pour moi parce que je suis née et grandie dans cet endroit. Donc, je connais tout ce qui s'y trouve par cœur. Mais spécifiquement, j'ai une fille qui prend soin de moi. Et je la paye chaque mois. Elle vient et puis repart chez elle. Ah, alors comment est-ce que je ne l'ai jamais rencontrée? Eh bien, c'est une coïncidence qui peut s'expliquer. Va et pense-y. Tu es encore ici aujourd'hui, sans pour autant me dire ce qui t'a emmené. Simple. Tu avais accepté d'être mon ami, n'est-ce pas? Oui, j'avais accepté d'être ton ami. Alors, c'est ce pourquoi je suis ici. Passer mon temps à connaître ma nouvelle amie. Ok. Alors, pourquoi ne pas venir avec moi dans la cuisine et me regarder préparer? Qu'est-ce que tu en dis? Attends. Même dans cette condition, tu peux préparer? Cuisiner est un acte que j'accomplis parfaitement depuis que je suis devenue aveugle. Je pense que tu as faim. Juste viens avec moi. Mais nous devons tourner. Tu peux tourner? Viens avec moi. Tu es dans ma maison. Juste viens avec moi. Viens. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu préfères en venant dans ma maison? Tout ce que je vois. Obi, parle-moi, non? Obi, s'il te plaît, attends. Parle-moi. Pourquoi trouves-tu cela différent de comprendre un simple langage? J'ai dit que tu devrais me laisser tranquille. Je ne veux pas te parler. Obi, s'il te plaît, écoute-moi. Tu sais, est-ce que tu veux manger? Tu veux manger? Non, mais tu, ma mère? En quoi est-ce que ça te concerne d'ailleurs? Obi, s'il te plaît. Massi, Chukwu. Je t'en prie, reste très loin de moi. Je t'en prie. Quel genre de message est ça? Quelle est la signification de ceci? S'il te plaît. C'est vraiment honteux et dégueulasse. Oh mon Dieu. Ah, Jésus. Comment je suis arrivée à me déshabiller pour un homme qui m'a même rejetée? Oh Seigneur! Oh bien là! Nai! Bienvenue à la maison. Tu es surpris de me voir? Exact, j'ai... Dis-moi, dans les langages que tu comprends, qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette femme aveugle? Oui, tu sais quoi?
Bon, peu importe. Je ne vais plus le savoir. Je suis ici pour te dire que je l'ai sur toi. Ijeoma est comme ma fille. Et je n'aime pas qu'elle aille mal, même pas un peu. Inadibe, sois prudent. Prudent. Ce plan Machiavel va se retourner contre toi. Je ne veux rien de mal pour Ijeoma. Comme chez Delia. Je t'ai à l'œil. Sois prudent. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut venir dans ces palais? Comment il peut marcher librement jusqu'à entrer dans mon salon sans pourtant se soucier de mes gardes? Mais je n'accepte pas cela. Pardonne-moi, père. Mais est-ce vraiment ça ton problème? Oh oui. Alors tu ne comprends pas ce que l'intérêt des Obuefi envers Ijeoma va nous apporter comme problème? Qui est-il? Et ça me concerne. Il est juste en train de souffrir de la complexe de supériorité. Et je serai obligé d'appliquer toutes les mesures s'il continue de mettre son nez dans mes affaires. Pourquoi te déranges-tu pour autre chose? Pourquoi es-tu en train d'abandonner le vrai problème? Oh, excuse-moi, Elodie. Excuse-moi. Pourquoi tu es têtu comme une mule? Bien sûr que tu ne l'es pas. Écoute, je n'ai pas dit qu'on va tuer cette dame. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous arrêter? Ils ne seront pas. Ce que j'essaie de te dire est que nous avons besoin juste que tu aies ces documents pour nous. C'est tout ce que je veux. Je te l'ai dit à maintes reprises. Il serait une bonne idée que tu l'engrosses. Ça serait une bonne chose. Une chose noble. Et la famille royale va en profiter. Assez, père. Je peux être n'importe quoi. N'importe quoi que tu peux manipuler. Mais je ne suis certainement pas du tout un prostitué. Excusez-moi, Votre Majesté. Qu'ai-je mal fait? Je ne serais pas en train de te rendre fier? Pardonne-moi de ne pas être venu te rendre visite depuis. C'était parce que j'étais vraiment débordé au boulot. Mais Ijeoma, je suis inquiet. Très inquiet à propos de toi. Je veux que tu quittes ce village. Toi et moi savons absolument très bien que tu es capable de te louer une maison très luxueuse là-bas en ville. Ou même t'en acheter une. Mais pourquoi ne fais-tu pas cela? Pourquoi es-tu encore ici? Je suis ici pour protéger ce qui m'appartient. Mais crois-moi, je vais bien. Et même au détriment de ta sécurité? Je ne parle pas seulement de James. J'ai entendu parler d'absolument tout ce qui s'est passé entre toi et la famille royale. Et ce n'est pas du tout comme s'il t'avait laissé tranquille. La seule chose qu'une personne peut avoir durant cette tempête, c'est le courage. Tu ne le savais pas? Ijeoma, je n'aime pas du tout ça quand tu essaies d'emmener une logique dans ma présentation. J'espère très sincèrement que tu vas m'écouter, moi. Mais la vérité est que j'apprécie ton intérêt et je t'en remercie. Il n'y a pas de quoi. Mais si tel est le cas alors, pas de problème, ok? Pourquoi ne viens-tu pas simplement vivre dans ma maison? Au moins, là-bas, tu auras toute la compagnie et la protection de ma femme ainsi que mes enfants. Si seulement la vie était facile. Mon ami, j'apprécie le fait que tu sois concerné et que tu t'inquiètes. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je suis en sécurité dans la maison de mon père. Trop en sécurité. Hmm.
Pourquoi tu arraches ton téléphone de moi comme ça? Arrache mon téléphone? Parce que c'est le mien. Qui est-ce qui n'arrête pas de t'appeler avec un numéro masqué? Je te le dirai. Où est-ce que tu étais allé? Depuis que tu as quitté la maison, je ne sais pas quand, tu ne m'as rien dit du tout. Bien alors, on est maintenant pareil. Tu es ici et que veux-tu de moi exactement? Toi, tu es tout ce que je veux. Ce n'est pas possible. Tu es mienne et tu seras toujours mienne. Oh Biora, j'appartiens à quelqu'un d'autre maintenant. Tu m'as quitté pour lui. Disons juste que je fais le bon choix pour mon bien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un prince? Oh Biora, juste regarde-toi un peu. Tu n'as rien du tout à m'offrir. Tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas... Je n'ai pas d'argent. C'est ce que tu es sur le point de dire. Godi, il y a bien plus dans la vie à part de l'argent. Tu le sais, n'est-ce pas? Stop avec toi et mes projets. Ne me dis pas que tu veux me faire croire que c'est la raison pour laquelle tu m'as quitté. Ubiora, laisse-moi te demander. Tu as même quelque chose à offrir à nos enfants? J'ai très bien pris soin de toi quand nous étions ensemble. Et maintenant, tu doutes de mes capacités d'être un bon père pour nos futurs enfants? Voyons, Godi. Tu le sais très bien au fond de toi que je suis un homme très débrouillard. Tu le sais bien. Tu sais également que j'ai des très bons plans pour le futur. Le plan non réalisable. Le plan qui n'apporte à rien. C'est tout ce que tu n'arrêtes pas de te dire toi-même parce qu'apparemment, tu es trop impatiente avec moi. C'est tout. Oh, Biora, s'il te plaît, juste laisse-moi tranquille. Arrête de m'appeler, arrête de me chercher et arrête de m'envoyer le message. Je pense que c'est le moment qu'on se dise au revoir. S'il te plaît. Godi. Godi, je ne mérite pas ça, Godi. Godi. Ijemma ne sait rien, c'est vrai. Mais elle est devenue une vraie source d'inspiration de plusieurs jeunes dans cette communauté. Elle a hérité de 5 propriétés de son père. Au fil des années, elle a créé encore plus de propriétés. Et c'est ce qui a aidé bien plusieurs de nos jeunes à avoir des jobs. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe entre elle ainsi que la famille royale. Voilà pourquoi je suis ici. Nous devons tout faire pour mettre fin à tout ça. Oh, ça va bientôt finir. Manager, le père d'Ijemma était mon meilleur ami. Jusqu'à ce qu'il meure, je protège toujours sa fille. Tu n'as rien à t'inquiéter. C'est exactement ça, Obwefi. Je suis vraiment très inquiet. Et s'ils finissent par faire quelque chose de très terrible à cette fille? Nous parlons ici de problèmes de terre. Et nous deux savons à quel point cela peut être meurtri sur notre terre. Franchement, si tu me demandes moi, je veux que Ijemma quitte cette terre. Mais elle ne fera pas, crois-moi. J'essaie de ramener de telles idées à son oreille. Mais elle fait la sourde oreille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Mais ce que je peux faire maintenant est de te rassurer que quoi que la famille royale veut obtenir d'elle, je vais les empêcher. Je suis Ubuefu Ezodo. Agada battu le premier de Oumete. Personne ne me défie et sort indemne. Spécialement si c'est une bataille pour la justice. Oui, crois-moi. Je crois en vous. Mon amour. Mon joyau de valeur inestimable. Que dire de plus? Je ne te demande pas de mettre fin à ta vie pour être avec moi. Je te demande de partager le restant de ta vie avec moi. Tous tes rêves. Et ton bonheur. Tes tristes moments. Partage absolument tout avec moi, bébé. Je peux ne pas être un homme fortuné. Mais je peux te promettre que tu ne manqueras jamais de rien. Parce que je t'aime. Je peux ne pas être un homme très armé, ou encore moins l'homme le plus fort de ce monde, mais je te protégerai de toutes mes forces, parce que je t'aime. Je t'en prie, épouse-moi. Oui. 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 Sérieux. Oui. Waouh. Oui. Oui, oui, oui. Merci, oui, chérie. Oui. Merci. 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 Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Hein? Je dis que je suis fatiguée. Et je ne peux pas continuer comme ça. Ah, Obiora, je veux que tu sortes un peu de ma vie et qu'on prenne une pause. Chérie, d'où est-ce que cela te vient? Je ne comprends plus rien. D'où est-ce que cela te vient? Hein? Obiora, ça provient de moi quand j'ai décidé d'affronter la réalité. Hey, non, non. Non, chérie. Je pense que c'est pour toi de faire une nouvelle vie. Que veux-tu dire? Hein? Mais que veut dire tout ceci, non? Oh Viola, je ne peux pas affronter la vie avec toi tant qu'il y a des opportunités qui m'attendent. Tu dis opportunité, mais que veux-tu dire? Oh Viola, au revoir. Ego dit attends. Ego attends. Ego attends, s'il te plaît. Tu es à la recherche de Egodi. Elle est encore engagée avec le prince. Quoi? Je ne comprends rien.
Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le fait que la jeune femme s'est décidée de te dire au revoir. Ou le fait qu'il appartient maintenant au prince. Non, dis-moi. Ichie, comment est-ce possible qu'elle puisse appartenir au prince juste comme ça? Oh! Tu veux que je te réponde? Non, mais tu veux que je te réponde? Ok, je le ferai, d'accord? C'est possible et ça arrive. Et Godi appartient maintenant au prince juste comme ça, hein? Deuxièmement, si tu ne connais pas ce qui est bon pour toi, reste très loin du palais. Tu as entendu? Reste très 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 loin. Au cas contraire, tu vas te trouver dans une bonne prison, bien coincée. Une prison coincée. Au revoir. Juste comme ça, après tout ce qu'on a vécu ensemble, j'ai même oublié de compter le nombre de fois où Ego Odi n'arrêtait jamais de me dire qu'elle m'aimerait toujours. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai juste vu, parce que tu voulais de l'aide. Va-t'en d'ici, laisse-moi. Va-t'en d'ici tout de suite, laisse-moi. Laisse-moi. Va-t'en d'ici. Je veux pas te voir. Je veux pas te voir. Je veux pas te voir. Pourquoi moi? Tu ne poses rien d'autre que des questions très techniques. Des questions qui d'ailleurs n'arrêtent pas de te troubler toi-même. Alors dis-moi, n'as-tu vraiment pas d'autres questions? Ah, je ne vois absolument rien de technique dans mes questions. J'ai un homme à mes côtés qui veille sur ma vie tous les jours. Tu es cet homme. Alors, j'essaie avec effort de mieux te connaître, mais aussi te comprendre. Dis-moi quoi faire. Toi, fils de Pete, c'est ça que tu n'as jamais cessé de faire. Comment m'as-tu trouvé? Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Pour t'avoir la main dans le sac, bien sûr. C'est vraiment tout ça que tu m'as caché? Oh. Ce n'est pas ce que tu penses. N'ose même pas me balancer ces sales mensonges. Ne sais-tu pas que c'est un mensonge universel? Écoute-moi, peux-tu me voir dehors, s'il te plaît? Idemba. Oh. Es-tu au courant qu'il est engagé? Tu es le genre de femme qui prend des hommes qui appartiennent aux autres. Non, 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 arrête. Excuse-moi. Ça. Excuse-moi. Laisse-moi tranquille. C'est assez. Va-t'en. Pourquoi tu veux que je parte? Parce que je veux que tu partes. Ah, mais laisse-moi tranquille. Allez, sors d'ici. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi sors d'ici. Laisse-moi mais tranquille. Dégage. Laisse-moi va-t'en. Tranquille. Va-t'en. Ijema, je suis désolé pour ça. Je suis désolé pour ça. J'ai compris. Je n'arrive pas à croire tout ça. Qu'il peut me faire tout ça. Faire quoi exactement? Hein? Tu crois que tu peux ouvrir ta bouche pour dire absolument ce qui te chante? Je ne t'ai rien fait du tout. Père, s'il te plaît, aide-moi à dire à cette fille que je ne lui ai rien fait du tout. Il dit la vérité. Il n'a rien fait du tout. Je ne te crois pas, Son Altesse. Tu étais au courant lorsqu'il était devenu loin de moi. Excuse-moi? Qu'est-ce que tu racontes? Fils? Père? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Je ne vois pas pourquoi elle dirait une chose comme celle-là. Parce qu'il ne lui a rien dit du tout. Rien dit. À part mon fils et moi, tu es la seule personne qui a l'idée sur ce plan-là. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas faire être... Je jure devant vous, Majesté. Je le jure. Je ne lui ai rien dit. Hey, Majesté. Je ne sais pas pourquoi vous me traitez comme ça. Pourquoi? Hein? Ça ne me fait pas du tout bien. Hein? Tu as trouvé quelque chose? Tu as le cerveau, n'est-ce pas? Tu n'allais pas dire. Hein? Fais attention. C'est... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu dis. Trouve une solution. Laisse-moi te dire. Le roi et son fils sont en train de jouer à un jeu très dangereux. Un jeu qui va te faire perdre le mariage. Avant que tu comprennes ce qui se passe. Écoute, sabote ça maintenant. Sabote ça. Au cas contraire, tu vas regretter. Hein? Ok, Ichi, je verrai quoi faire. Tu veux voir? Hein? Pourquoi tu ne dis rien? Mon instinct me dit que tu y es pour quelque chose. Mais pourquoi tu nies? Votre Majesté, ça ne me fait pas du tout du bien. Hein? Comment pouvez-vous subitement ne pas me croire? Pourquoi vous ne me croyez pas? Hey! Mais comment est-ce que vous ne me croyez pas? Hein? Hey! Au fait, je voulais m'excuser auprès de toi. Mais après, je me suis demandé, pourquoi devrais-je? M'as-tu attrapé sur le lit avec qui que ce soit? Non. M'as-tu au moins vu dans une position compromettante avec qui que ce soit? Non. Alors pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi? Pourquoi? Sois très prudente. Et une chose de plus, si jamais dans ta putain de vie, tu harasses Ijemma, je vais te faire souffrir d'une manière dont tu ne comprendras pas comment deux personnes qui ont vécu ensemble se préparant même à devenir mari et femme arriveraient à te faire souffrir ainsi. Tu ne croiras pas ce que je te ferai. Je n'ai mâché aucun mot. Ça n'est vraiment de trop. Ijemma, peu importe la façon dont tu t'appelles, ça ne se reproduira pas. Je te donnerai une bonne leçon de ta vie. Je n'arrive vraiment pas à croire ce que je vois. C'est vraiment le comble de tout ça. Je n'arrive pas à y croire. Maintenant, tu vois ce que tu as causé? As-tu vu ce que tu as causé? Le fait de faire confiance à Itier, c'était la pire erreur que tu aies commise de ta vie. Maintenant, dis-moi, vois-tu ce que tu as causé? Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire maintenant, monsieur le planificateur? Premièrement, je n'avais dit à aucune personne concernant notre plan. Oh, père, n'est-ce pas évident? C'est un menteur. Je te le jure. Pourquoi Wanda Todu était venue te voir? C'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est elle qui devient maintenant un homme? Ou bien tu es en train de me dire que tu ne peux pas la gronder? Écoute-moi, mon fils. Montre-lui qu'elle t'appartient et continue avec tes affaires. Écoute-moi, garçon. Si l'homme est à la recherche de l'argent, il applique toutes les méthodes. Et c'est le cas avec nous. Et c'est exactement comme ça que tu auras l'argent.
plus il parle, plus je découvre le démon que j'appelle mon père. Va-t'en d'ici. J'ai dit que tu devrais partir d'ici. Ça et là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je l'air affamé pour toi? Oui, bien sûr. Je ne m'inquiète pas. Prends, ça vient de maman. Elle continue toujours à t'envoyer la nourriture. Parce que ta maman a toujours été sa meilleure amie. De toutes les façons, ça vaut ta nourriture. Dis-moi. Amaka. Ah, mon amour, tu t'es réveillé. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans un chantier? On a couché ensemble. Juste pour une seule fois. Quoi? Comment? Est-ce ce à quoi je pense? M'as-tu drogué? T'es drogué? Si je l'avais fait, tu allais être intéressé par moi toute ta vie. Quoi? Reste très loin de moi, cette sorcière. Reste loin de moi, Amaka. Ne me touche pas. Obi, j'étais encore vierge. Quoi? Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, quel genre de tentation est ça? Amaka, laisse-moi tranquille. Quel genre de tentation est ça, hein? C'est bon, et je ne me dérange même pas. Mais pourquoi est-ce que tu me touches d'abord? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu drogué? Pourquoi m'as-tu fait ça au juste, hein? On s'est réjouis. Réjouis de quoi? Je ne savais même pas ce que j'étais en train de faire et puis tu... Viens là. Laisse-moi tranquille, reste loin de moi. Merci. J'espère que tu l'as aimé. Même si mes yeux l'ont apprécié, je n'aime pas ça. Ce n'est pas possible. Comment peux-tu juste préparer la sauce comme ça? Voyons. Arrête de me flatter. Toi et moi savions que tu es une meilleure cuisinière. Ne me dis pas que tu as oublié que je ne suis pas une aveugle de naissance. Tu peux avoir raison. J'ai aussi grandi ici. Je connaissais mon environnement. Avant que je ne perde ma vue. Itchie, ne passe pas le temps à me parler de ça. Non. Ce n'était pas dans mes intentions. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est de manger ta nourriture. Après quoi, aie l'humeur de me dire exactement ce qui te dérange. Moi? Non, rien ne me dérange. Ne me mens pas. Tu peux tromper tout le monde, mais certainement pas moi. Lorsque tu venais, tu souhaitais que les choses changent. La seconde chose que tu as fait, c'était d'aller dans la cuisine et préparer la nourriture. Nous le savons très bien, que tu ne manges pas quand tu es stressé. Qu'est-ce que tu veux que je mange tant qu'il y a tant de nourriture comme ça? Mais ceci est la deuxième. La première, tu l'avais fait pendant que tu étais dans la cuisine. Tu pensais que je n'allais pas le savoir? Ah, Ichi. Envoyez ton esprit, tu n'as pas encore dîné. N'ose même pas te changer de sujet. Dis-moi exactement ce qui ne va pas avec toi. Très bien, Ije. C'est Obiora. Obiora. Cet homme a parfois le bon côté.
Mais quand bien même je suis aveugle, je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes autant. Parce que Ichi, je n'ai pas d'autre choix. Mais tu ne peux pas continuer de souffrir ainsi. Tu dois le quitter. Je te le dis. Ichi, si tu restes loin du prince, je resterai loin d'Obiola. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je ne suis pas amoureuse du prince. Tu penses que je ne sais pas? Le fait de ne pas aimer le prince ne veut pas dire que le prince doit être loin de toi. Ce n'est pas un problème s'il est à mes côtés. Mais sincèrement, je ne suis pas en amour avec lui. Cette Obiora te blesse à chaque moment où il a l'occasion. On ne blesse pas la personne qu'on aime. Oui, ils disent, la personne que tu aimeras de trop, c'est la personne qui te blessera de plus. Je sais que tu doutes. Je te permets juste de savourer ton repas. Mais sache que tu peux revenir dans cette maison quand tu voudras. Quoi? Je l'aimais vraiment. Ah, ça ira mieux. S'il te plaît, ne sois pas contrarié. Tout ira pour le mieux. Sors tout de suite de mon chemin. J'ai dit sors tout de suite de mon chemin avant que je fasse quelque chose que nous allons tous regretter. Fais-le. Je m'en fiche. Mais si tu dis que tu quitteras cette maison, là tu mens. En tant que quoi? Maintenant, laisse pas passer tout de suite. Non, tu iras nulle part. Tu veux aller voir cet aveugle? Oui, et si c'est le cas? J'irai avec toi. Tu ne viens pas avec moi. Alors, tu iras nulle part. Dégage de mon chemin. Non, je ne veux pas. Égodé, tu dépasses les bornes. Tu es en train de me taper sur les nerfs. Sors de mon chemin! Non, je ne vais pas! Qu'est-ce qui se passe ici? Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez me le dire? Père, s'il te plaît, peux-tu demander à cette femme de sortir tout de suite de mon chemin? Sa Majesté, il va aller voir cette fille. Alors, je vais aller avec lui. Femme! Comment as-tu décidé de t'humilier à ce point? As-tu une preuve qui démontre que ton homme couche avec cette femme aveugle? En as-tu? Sa Majesté, non. Alors mais... dégage de son chemin. Vas-y. Merci infiniment, Votre Majesté. Sa Majesté. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai assez de tes histoires depuis la semaine passée. Et si tu n'es pas intéressée d'être la reine de ce royaume, la porte est ouverte. Il faut savoir qu'il y a le prix à payer. Tu ne peux pas péter les plombs comme ça. Tu es encore ici aujourd'hui? Oh oui, bien sûr, je le devais après ce qui s'est passé hier. Tu n'as pas l'air ravi de me voir. Qu'est-ce qui se passe-t-il? L'événement d'hier m'a fait réfléchir. Et je suis obligée de vous poser cette question, mon prince. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu tellement intéressé de faire de moi ton ami? Pendant que tu es supposé faire d'une autre, ta femme. Pourquoi? Alors à présent, tu dois faire de tout ton possible qu'elle soit ta meilleure amie. Ton point fort. Ton partenaire de vie. Mais non. Tu es ici. En train de me distraire 5 fois pendant la semaine. Pourquoi c'est ainsi, mon prince? Ijem, je... Non, non, non. Ne t'approche pas de moi parce que je ne veux même pas te parler. Tout ceci doit s'arrêter, mon prince. C'est comme ça. Quoi? Je veux que tu quittes ma maison pour ne plus revenir. Sors! Je ne veux plus de toi ici. Écoute, je veux juste que tu... Comme je disais, ce qui s'est passé hier m'a fait réfléchir. Je me demandais... Comment m'as-tu pardonné aussi facilement, genre? Comme si nous n'avons jamais eu une discussion de terre. Et je suis arrivée à conclure que... cela peut simplement arriver...
Si tu as un autre objectif. Je te demande pardon. Oui. Pour quelle autre raison veux-tu que je te croie? Si tu crois que tu m'avais eu complètement, si tu penses obtenir quelque chose de moi, ça n'arrivera même pas au bout de tes doigts. Cela n'arrivera pas. Ah. Es-tu sûre de... Oui, mon prince. Quitte. C'est ce que je désire. Va-t'en et ne reviens plus. Ne reviens plus encore dans ma maison. Va-t'en. Qui est-ce qui t'a nourri avec tous ces mensonges? Avec qui étais-tu en train de parler? Personne ne m'a nourri de quoi que ce soit. Tout ce que je désire est que tu t'en vas pour ne plus revenir. Ne reviens plus jamais. Jamais. Mon amour. Qu'est-ce que tu fais ici et comment est-ce que tu m'as trouvé? Bien. La fois passée, notre amour marche très bien. Ça marche bien qu'on est si bien. Amaka, qu'est-ce que tu veux? Parce que je veux être à tes côtés. Et moi, je ne veux pas être à tes côtés. Comment est-ce si difficile pour toi de comprendre cela? Obiora. Donc, après avoir pris ma virginité, tu ne veux plus être avec moi? Ça serait jamais possible et tu le sais bien. Pour ne pas avoir du tout le venin de mes parents. Le mieux, c'est de commencer à comment venir m'épouser. On le sait tous que tu as fait couler mon sang. Mets ça dans ta tête. Tu m'as écouté, garde ça bien dans ta petite tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je me suis plongé dans tout ça d'ailleurs? Comment? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.
Jérémie.